Hein? Mais qui... Mais j'étais dans ma chambre. Mais pourquoi... J'étais persuadé de m'être réveillé... De me réveiller chez moi. Mais pas ici. Qu'est-ce que je fous près de la mine? Faut que je teste... Faut que je teste ma radio. Allô? Je pense que je suis un peu trop loin. Ah, ça me rassure pas. Si je suis absent trop longtemps, ils vont s'en rendre compte. J'ai peut-être pas le temps de rentrer là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Allô? Je suis à l'avant-poste, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Tout va bien. Très bien. Y en a parmi vous qui sont allés à l'avant-poste cette nuit? Pas à ma connaissance, par contre, je suis devant la porte de, d'Edmond et il y a des 1 partout sur l'écran encore. Ah. Il n'est toujours pas revenu, toujours pas réapparu comme Karpok? Ben, je sais pas. Est-ce qu'on a l'autorisation de rentrer dans sa. Enfin, la porte est fermée, mais est-ce qu'on a l'occasion. Attendez, j'ai l'impression de forcer la porte. Je reviens. Parce qu'il y a du violet aussi qui en avait retiré, il me semble, la dernière fois. De toute façon, faut que je refasse raccourci ma combinaison, ils ont sauté. Donc, je pense qu'il y a effectivement dû se passer quelque chose pendant la nuit, vu que ma combinaison n'est plus initialisée comme je l'avais laissé la dernière fois. Oui. Moi, j'avais l'impression qu'il me manquait de l'équipement dans mes coffres. Attends, oui, mais ça, on avait établi qu'il y avait des voleurs, de toute façon. Oui, mais donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont dû circuler cette nuit. Bah, les protections, elles sont comment? Bah, la porte est toujours fermée, donc si ça s'est fait, soit c'est quelqu'un qui a le code, soit c'est pas de nous. Puis là, ouais. Ce code-là, on l'a pas, c'est le capitaine, non, c'est le chef qui l'a placé. Donc, Oui, toujours pas capitaine. Non, mais je vais m'y faire. Ça... Je sais pas pourquoi, c'est moi qui fouche, alors je me suis jamais fait avoir jusque-là. Non, mais ouais. Bon. La fatigue. La coup aussi, je disais donc. Et toujours pas de nouvelles de Karpok non plus? Non. Non, et je peux essayer de faire la place à porte, mais là. Alors attendez, je... Ah si, il y a un problème, effectivement. Ouais, il y a un problème que je vois d'ici. Alors moi j'ai juste l'écran qui a changé, mais l'écran de Karpok, l'unique appli. Ouais, et... Mais c'était déjà comme ça tout à l'heure, enfin tout à l'heure quand on s'est levé. Bah oui, il revient à se lever, oui, mais j'ai pas fait gaffe, parce que la dernière fois... Ah oui, d'accord, vous venez de le voir. Oui. Oui, comment vous... je suis arrivé parce que... Ah! Dis-je avec une voix de niveau. Oui. Ah oui. Et effectivement, l'unique a pris. Ça y est. Il nous a pris nos trempes. Non, attendez, c'est l'équipement de Karpok. C'est l'équipement de Karpok. Alors, j'ai pas envie de dire que je vous l'avais dit. Mais je vous l'avais dit, putain! Vous savez qu'il fallait pas faire ça, mais c'est pas possible! Putain! Sortez d'ici, Stéphanie. Je peux pas s'affirmer. Je peux pas sauter assez haut pour passer par là-haut. Ah, d'accord. Ah, si c'est possible. Ah. Je l'ai fait. Oui, je viens de voir Stéphanie faire du parcours, et effectivement, oui. C'est tout à fait possible. Les écrans, oui, d'accord. Et au pire, prenez élan sur le coffre. Et si vous n'avez pas d'exosquelette, bah piquez celui de Karpok dans son coffre. Il y en a plein, ça constitue des preuves, on va pas y toucher, Stéphanie. Oui, mais s'il il ne saura pas sauter sans. Il y en a plein dans les coffres là-bas. Déjà, je suis là, et de deux, il y a la porte, il y a juste une porte à déverrouiller, hein, c'est tout, c'est pas non plus. Oui. On va devoir enquêter. Quelqu'un peut m'ouvrir la porte, s'il vous plaît? Quelle porte? Oui, voilà, bah la porte, de l'accès aux chambres. C'est... Ah! Je vais enlever le fil. Déjà. Ah, j'ai mis un... Ah oui, j'avais même pas fait gaffe que c'était une autre sortie. Mais si! Hein? On est... Ouais, qu'on avait été nous modifier la sortie normale, mais j'avais pas vu que c'était une deuxième sortie, en non fait. C'était la chambre de Karpok au fond, ici.
Oui, bah j'ai pas fait gaffe quand on est sorti. Donc il y a la chambre de Karpok qui n'a plus de plafond du coup. Non, qui n'a plus de plafond, c'est pour ça que j'ai sécurisé. Pour le moment, il va falloir qu'on enquête ici. Je vais vous demander de sortir pour le moment. Il y a plus de chambre tout court d'ailleurs. Oui, il y a plus de chambre tout court. Alors j'espère qu'il n'est. Enfin bon. J'espère que c'est. Ce message, l'unique a pris avec les vêtements de Karpok, ça n'annonce pas une terrible nouvelle. Je vais vous ouvrir la chambre d'Edmond. Oh là. Ah oui, la chambre. Ah, non mais voilà, mais Oh là. Qu'est-ce qu'il y a, oh là ? Il y a beaucoup de coffres. Exactement ce qu'on a vu dans la grotte, tout pareil. Je vérifie tous les coffres. Ah oui, que des trucs de 1. Ouais. Non, il n'y a pas que des trucs de 1. Il y a... De l'équipement. Ah oui, il y a un coffre normal. Ouais. Enfin, deux coffres normaux. Ah, il y a deux coffres normaux. Les deux derniers. Donc, ça devait sûrement être les coffres d'origine d'Edmond. Excusez-moi, et mais les là, autres ont été rajoutés. Il y a une sphère de Marcel. Il y a une sphère juste là. Hein. Ah, juste là. Ah oui. J'ai annoncé qu'il fallait se débarrasser de ça. Hein. J'ai dit, hein. Ah attendez. Oui, au milieu du attendez. Coffre. Et est-ce que. Attendez, il faut aller vérifier. Coffre je vais aller vérifier. Je vais aller vérifier au niveau des, au niveau de la zone de containment si c'est. Ça je pas je referme la porte parce que là sortez de là, Stéphanie, parce que ça va pas rester là. Bon. Est-ce que je l'ai mise là-haut? Ah. Là-haut. Bon. Non, c'était pas là-haut. C'était sur le pilier derrière le... C'est là-bas. C'est là-bas. Je par l'ai là-bas. Retrouvé. Ouais. Non mais, qu'est-ce qui se passe sur cette planète? Je sais pas, mais je voudrais bien le savoir. Y a le broyeur qui fonctionne tout seul sans matière première, c'est normal ou... Oui, on a installé d'autres broyeurs. Ah d'accord, ils sont reliés entre eux, d'accord, ok. Oui. Ah ok, pardon, j'avais pas cette info là. Attendez, je dois couper ma radio. On a une mon qui ping. C'est non, c'est... Oui. Edmond ? Ah. C'est plus important. Ouais. C'est plus important. Edmond... Oui. Mais à 1000... À 1000 mètres ? Bon, on y va ou... Bah écoutez, oui, j'arrive, oui. Tant pis pour la vérification. On est suffisamment nombreux pour se séparer, non ? Je pense que vous pouvez nous rejoindre après, Alicia. Oui. Vous êtes déjà parti, Hans et... Je suis en train d'essayer de voir, mais Edmond ne ping c'est plus. Haut. C'est haut. Je pense qu'il vient de repinguer. Ça serait peut-être pas mal que vous alliez voir pour la sphère, parce que si c'est vraiment la sphère le problème, faut qu'on... Attendez, je crois qu'il est bloqué sur un rebord. Comment on fait pour monter là-haut ? Ah, faut construire quoi, mais... Ah, peut-être pas. Je sais pas si c'est à cet endroit. Il est derrière. Oui, il peut être derrière. Ouais. Oh là là, mais... Il y a un accès là. Ah bah... Non, je vais bien. Je vois pas ce qui vous fait dire que tout allait mal, je vais bien. Vous pensez que cet accès va nous permettre de le rejoindre ? Je sais pas, mais il y a une passerelle naturelle qui fait tout, moi je tente. Et d'ailleurs, je n'ai pas mal à la tête. Ah ! Au secours. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes où ? Non, c'est anglais, mais c'est bon, je pense que je peux... Je pense que l'équipement... J'ai perdu tout le monde, moi je suis toute seule. Stéphanie... Que vous avez donné Alias, ça devrait suffire à... C'est bon. Merci, chef. L'équipement d'Alias, c'est très efficace. Bon, on va se faire un peu mal au genou, mais c'est pas bien grave. Je vais essayer de rejoindre du coup ici. Mais je ne vois pas où est passé... Ah d'accord, c'est une infestation sanglier. Ah mais Hans... Je suis en train de me battre avec un nid sanglier là. Ah mais vous êtes parti devant, Hans. Mais je pensais que vous me suiviez. Mais attendez. Il faut nous laisser le temps de vous rattraper. Pas autant pour moi. Non mais je... C'est bon, j'ai gelé les... On va dire que j'ai déblayé le chemin vers l'ennemi. Non, il y en a encore. Ouais, je viens d'en croiser un aussi. Je ne sais pas où, mais il y en a un qui... Là, il est à vous, je le vois, mais il est... Voilà. Ah oui, d'accord. Il y en a deux. Bah, je viens d'en tuer quatre. C'était fou. Non, mais vraiment, je ne nous attaque pas. Ah. Ouais. Non. Si. Bon.
Je me demande si ces bestioles ne peuvent pas avoir comme nous des artefacts. Parce que j'en ai vu, ai vu deux sur mon détecteur, mais... Ça va devenir compliqué. Enfin, ceci dit, hein, si eux aussi ils ont des artefacts, les leurs bougent. Ça veut dire que les nôtres bougent peut-être aussi. Mais on a déjà vu des artefacts bouger. Alors, pas de façon conventionnelle, mais... J'en ai encore des... Oula ! Ouais, j'ai besoin... Ouais, voilà, j'ai besoin de monde, là. Oula ! Ah oui ! Mais dans quel pétrin est allé se foutre Edmond ? Ah ouais ! Dans l'hypothèse aussi bien, là. Oh, au pire, on est trois, ça devrait suffire, je pense, mais... Vous êtes avec nous, Alicia ? Attendez, je vais essayer d'en attirer un. J'arrive. Oh là là, mais j'ai pas de... Non, mais si j'en attire un par un, voilà. Il y en a un qui m'a vu. Oh, il est énorme. On devrait pouvoir y arriver. Bon, ça crache, les trucs. Ah ouais, c'est les pires, ceux-là. Ça crée des explosions à fragments, faites attention. Parfait, ok, parfait. C'est bon. Avec le travail d'équipe, ça marche pas mal. J'ai pas assez de place pour récupérer. Voilà, t'es bien. J'ai récupéré. Et j'ai un champignon aussi. Faites attention, il y en avait un deuxième. Et justement, je cherche. Il est caché là derrière. C'est bon, je l'ai. Il nous a pas vu. C'est le moment de créer l'initiative. Aïe, l'initiative. Ok, c'est bon. Parfait. Je vais récupérer les restos aussi puisque j'en ai déjà dans mon. J'imagine que c'est dans mon inventaire. Attendez, je... Edmond, toujours pas, vous nous recevez ou toujours pas? Oh, il y en a un troisième. Il sort nulle part, là, on n'a pas eu. Okay. Ok, parfait. J'ai récupéré, comme d'hab. Attention du poison. Ah, la voix. Non, non, vous inquiétez pas. Non, ouais. Non, c'est parce que c'est... C'est bon, rassurez-vous. Par contre, J'ai trouvé un artefact étrange là où je suis. Là, je suis en train d'essayer de vous rejoindre, mais j'ai trouvé un artefact étrange. Mais nous, on peut pas passer par là. Ouais, on va. On va peut-être contourner par la droite. Je vous propose sinon qu'on escalade ici. Ouais, il faudra poser une échelle ou quelque chose. Vous avez perdu. Par le poison, c'est pas gênant. C'est pas. Ah, par là. C'est pas faisable. Alors, je suis pas sûr de la faisabilité de ce que je suis en train de faire, mais. J'ai un doute. Hein. Je veux bien essayer si vous voulez, mais je... À mon avis, on va avoir un souci. Ouais, non. Ouais, je me doutais bien que... Ah, tout. Non, non, tout va bien, tout va bien. Non, mais enfin, moi, j'ai pas bien du tout, par contre. Il vous faut quelque chose? Ouais. J'ai deux baies, je peux vous les donner, voilà. Je vous donne ça en échange, parce que j'ai pas de place, sinon. Ok, je prends. Merci. J'ai bien envie d'entendre la version d'Edmond, de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il fout là-bas. Ah, et ma combinaison. Vous voulez pas faire juste faire une rampe là parce que ça me fait. Ouais, bon. Oula. Ah, je pense que c'est bon là. Non, c'est bon, je pense que vous l'avez là. Je pense que ça va se faire. Allez, ouais. Bon. Évitez de tomber. Alors, j'ai trouvé un chemin vers Edmond. Ah oui ? Ah, on est peut-être passé par un mauvais chemin. Parfait. Nickel. Ok. Bon, ce n'est pas très sécurisant. Toujours Edmond ? On n'est pas très loin, on est à 500 mètres à peu près. Hostilité. Ouais, 567. Je ne sais pas qui, de quoi, ni de caisse, mais... Sanglier, ok. Merde. Oh là là, oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans le coin. Sanglier, c'est fait. Edmond ? Ah, mais j'ai espéré qu'il soit tombé dans le... Bon. Ouais, moi aussi. Ah, si vous voulez, je peux reprendre les carcasses, hein, comme j'ai de la place en inventaire, contrairement à vous. Ouais, il y a un cratère immense. Oui, je vois. Oula ! Avec des sangliers dedans, il y en a un qui remonte d'ailleurs. Et limace, qui ferait plaisir à... Alias. À Elias. Merde, je suis tombé. Attention, Alicia. Ah. Du coup, je prends les noix. Hein. C'est moi ou l'eau d'ici qui dégage un truc particulier? Ok, je suis à 200 mètres d'Edmond. Mais comment il a fait pour aller jusque là-bas? On est si loin de. Bah, vous m'avez dit que vous m'avez après la cuite de Kalpok, vous m'avez trouvé dans un endroit pas possible. Donc, est-ce que c'est pas ça? Ouais, c'est vrai.
Edmond. Edmond. Ouais, je crois l'entendre, mais je ne détecte plus son signal. Ah. On va, je vais arrêter de courir pendant un moment parce que je l'ai déjà vu un petit peu trop violent là. Ah. Edmond. Edmond. Venez ici. Edmond, qu'est-ce que... Vous allez bien? Je crois qu'il est blessé, Alicia. Je sais que vous êtes xénobiologiste, mais vous pouvez lui voir si tout va bien. Alors. Ah, oui. Prenez l'inhalateur et une inhalation. Ouais, je déconseille les trois, vraiment. Pas de bonne expérience. 3 maximum par jour. Je suis paumé, moi. Nous sommes là, Stéphanie, vous voyez? En bas? Oui, en bas, oui. Dans le cratère. Oui, oui. Ok, je descends, du coup. Ah oui, je vous vois maintenant. Bon. On va devoir le ramener à la base. Il a l'air d'être épuisé. Mais la zone n'est pas sécurisée. Il faut absolument qu'on avance et qu'on fasse attention. On est passé à côté de plein d'autres groupes d'ennemis. C'est une vache. Ça va, ça m'a fait peur. Oui, non. On a pas mal épuisé les sangliers déjà, mais. Qu'est-ce qu'il foutait ici? Il a du mal à suivre en tout cas là. Oh là. Il n'y a manifestement pas d'exosquelette. Il y a quelqu'un qui m'a pris en chasse. Quelqu'un. Enfin, quelqu'un, une créature. Ah oui, il fallait être en plus. C'est bon. Okay. C'est beaucoup de sport au réveil, hein, quand même. Hein. Ouais. Ok. Edmond, vous allez bien? Vous nous entendez? Oui. Comment vous êtes arrivé jusqu'ici, Edmond? Je sais pas. J'ai l'impression. Un rêve, vous savez, un rêve. Un rêve. Quel genre de rêve? Je sais pas, je voyageais dans un tunnel, un long tunnel. Et il y avait Karpok aussi, mais je crois qu'il a pas réussi à se barrer. Karpok? Vous étiez avec Karpok? Je l'ai vu. Je l'ai vu, il y allait. Moi, je voulais pas y aller, mais lui, il y allait. Ah putain, j'ai mal au bide. J'ai mal au crâne. Est-ce qu'il y avait une espèce de sphère ou des limaces dans le tunnel? Ou des cristaux de quartz, peut-être? Non plus. Bon, je pense à pour un nom. La combinaison Cadus. Fais gaffe, j'entends des araignées. Et merde. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Aucune idée. C'est l'artefact que j'ai trouvé en arrivant ici. Ça ressemble aux cassettes que j'avais dans mon boombox à l'époque. Oui. Edmond, vous êtes blessé, n'allez pas le récupérer. Mais c'était juste une cassette. Ouais, peut-être un reste du crash du vaisseau. Hein. Sacrément solide, hein, ces bandes. Ah, c'est de la... Par contre, j'entends... Ah! Alors, je ne sais pas comment on va rentrer. Ah, je vous ai perdu. Attends, on a pris un détour, peut-être un petit peu trop... Un petit peu trop... Ah non, c'est bon. J'ai retrouvé la plateforme qu'on a créée, mais ça va être dangereux peut-être pour Edmond de descendre. Si vous suivez par là où je suis passé, on n'a pas besoin de. Alors, ok. Ah ben, guidez-nous peut-être. Ouais, passez devant Alicia parce que nous on est passé par notre. Est-ce qu'on se regroupait? Oui, j'arrive. Je me suis un peu éloigné. Je m'occupe de. Je suis avec Edmond et Hans. Ouais, je suis. Mais je sais pas où vous êtes, vous. J'arrive. Il nous est passé à côté. Mais...
Il faut rejoindre Alicia, peut-être. Oui, oui, oui. Oh! Edmond? Je suis sous attaque de phono hostile. Ouais. T'as déjà des rabots, Edmond, on va... C'est bon. On va aller par là-bas, Edmond. Non, 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 Edmond, par là. On est ici. Ah! J'ai même pas pris mon petit déj. Non, non, touchez pas à ça, on sait pas ce que c'est. Il y a encore des minerais EME un peu partout ici. Ça... On sait toujours pas à quoi ça correspond, ces trucs-là. Ah, il y a encore une bête là sur le bord de l'eau. Ouais, oui, mais oui. Elle est pour le moment, il y a pas... des bêtes pour. Oui, bah je prévenais juste pour la prochaine fois près. En Sedmont. Ouais, il y a des, là, il y a des noix aussi pour ceux qui ont faim. Ah, ça. Non, j'en ai pas besoin. Gardez-les pour ceux qui en ont vraiment besoin. J'en ai quelques-unes sur moi que j'aurais remis dans les coffres à la base, mais... Et en passant par là, on peut rentrer? Vous êtes passé par là? En passant par le lac, je suis passé par le lac, oui. Ok. Ok, très bien. La plage est sécurisée. Si la bestiole attaque, je lui fonce dessus. Allez-y, passez, je vous rattrape. Edmond, vous avez perdu votre équipement? Pardon. Apparemment, je l'ai dû oublier à la base peut-être, je ne sais pas. Vous sentez de nager jusque là-bas ou... Je sais pas, il y a beaucoup de courant, non? Non, non, ça ouais, va. Mais non, ça va. Non, allez, je suis là. Sur la droite et ça va aller. Attendez. Il y a beaucoup de courant, je suis pas sûr de... Dévie sur la droite un peu. Essayez de nager sur l'axe... Restez là, je vais nager avec vous. Voilà, venez. Attention, sur l'autre rive, il y a des sangliers. C'est bon, je vous tiens. Je m'occupe de sécuriser la zone. Je vous suis. Ah, j'entends encore ces araignées. Non, il n'y en a pas. Hein. C'est dans votre ah tête, ouais là, je pense. Ouais, je pense que c'est l'angoisse. Pour ça. Parce que je les cherche depuis tout à l'heure. Mais... Ah, je vois là. Ça. Je vois la base. Attendez. Il vient de voir la base. C'est bon. Ok. C'est bon. Et on rentre par où maintenant? Voilà une rampe. C'est... Oui, ça fait ouf. Ouais, je pense qu'on va se faire une rampe ici. Si on doit retourner dans le coin. C'est les Après, il y a l'air d'avoir un dénivelé juste là. Oui, mais bon. Une déclivité. Peut-être que Edmond n'aura pas la force de faire un détour. Bah, je sais pas, Edmond. T'as la force de faire un détour? Moi, je peux. Je fais le tour là. Ah, mais voilà, bah oui, non, mais c'est. Prends pas trop d'initiative non plus, Edmond, parce que là. Je suis avec Alicia. Alicia. Ah. Non. N'êtes pas avec moi. Des sangliers à l'arrivée, chef. Oui. On va les gérer. Oh, je vous prévenais juste. Qu'est-ce qu'ils foutent encore si proche de... Ouais, mais qu'est-ce qu'ils foutent encore si proche de la base, ceux-là? Ouais, non, vous pouvez descendre par ici. Non, ah, bon, vous avez fait, ils ont fait le tour, hein, d'accord. Ouais. Bon. Alors, je les ai pas vus. Ils sont directement derrière l'ascenseur orbital. Ok. C'est toujours quelque chose, hein, les réveils, hein, depuis qu'on est ici. Hein. Ouais. Réveil au calme, c'est pas... Non. C'est en option sur cette planète, manifestement. C'est... Effectivement. Ok, je suis rentré à la base avec Alicia. J'ai l'impression qu'il nous prend pendant nos rêves. Pendant notre sommeil. Le camion. De qui vous parlez, Edmond? Le Nick. Mais. Je sais pas comment, mais j'ai l'impression que j'ai rêvé avec Karpok. Et juste qu'il s'est fait emporter dans le flux. Et que moi j'ai réussi à sortir. Je suis pas sûr qu'on revoit Karpok. Effectivement, il y a de grandes chances que Karpok soit décédé.
Mais nous, on l'a qui sait, découvert. on a déjà eu des surprises. Oui, mais là, il n'a même pas sa tenue. Tout est dans sa chambre. Et je suis pas sûr que l'air soit très respirable pour nous ici, sinon nous ne porterions pas ses tenues. Pas sûr qu'il soit décédé, je pense juste qu'il est parti. Mais parti où? Je ne sais pas. Alicia, Parti la oui. poêle, ça me paraît un J'ai des peu. restes de sangliers et de clasheurs de plasma. Ça se rejoue, ça, pour vous? Ça se conditionne en protéines Ça se pour le conditionne en broyeur. protéines, voilà. Et les protéines, je les mets après où? Broyeur. Dans une des boîtes. Dans la Edmond. boîte avec. Avec les baies, etc. Edmond, venez Avec ici. les baies et compagnie. Ouais. Ok, ça va. Avant Je vais. quoi que ce soit, je vais demander à Alicia de vous faire un bilan pour être sûr que tout va bien. Ok? Et ensuite, j'irai m'allonger un peu, 10 Oui, oui. minutes sans Oui. dans ma chambre. Oui. Alors, votre chambre est pour le moment inaccessible. Oh, voilà, allez plutôt dans la mienne. Votre chambre est en Rénovation. rénovation, voilà. Alicia, je vous charge de faire un bilan de Karpok, je reviens tout de suite. Non, Karpok n'est pas là. De Manu. De Edmond. Bah, si vous pouvez faire un bilan de Karpok C'est aussi, la fatigue, excusez-moi, je. Au moins, on serait fixé, quoi. Vous avez utilisé l'inhalateur, Edmond? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas eu le temps de vérifier. Qu'est-ce que ça fait dans ma chambre? Absent depuis longtemps, Edmond, absent plus base secrète. Hans, tout a commencé avec sa mort. Alicia, Elias, un amour étrange pour les limaces. Christophe, étrange absence. Il faut. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Personne ne voit ça. Et mettre les pieds là-bas. Je peux aller mettre les pieds là-bas, mais On va y aller ensemble sur le zoo parce que si. Bon. Excusez-moi, il va falloir Oui. que j'aille vérifier quelque chose. Je serai hors de portée de la radio, je reviens plus vite. Ok, D'accord, capitaine. Chef. Toujours pas capitaine. Toujours pas capitaine. On peut vous appeler Christoffel parce que ça devient pénible là. Oui, non, mais depuis moi, ça fait un moment que je vous dis d'arrêter de m'appeler chef. Voilà, ça sera plus simple parce qu'on va pas s'en sortir. Oui, bien sûr. En votre absence, en ton absence, bref, pendant ce temps-là, on va peut-être aller contrôler ça dans la grotte. Tous ceux qui sont là et disponibles, Alicia, Stéphanie, et puis. Dans la mine? Oui. Ben, on a trouvé une sphère dans la chambre, j'ai un doute sur le fait que l'autre, elle y soit encore, en fait. Très bien. Je viens me croiser un tracteur qui était à moitié coincé sur une rambarde. Ah. Enfin, il a réussi à se décoincer et à repartir, mais c'était Ben, perturbant. on sait que nos logiciels ont des dysfonctions depuis quelque temps, qu'est-ce que ça. Ouais, peut-être les mises à jour, effectivement. Je savais bien qu'il fallait pas passer à Windows 45. Je ne comprends pas que les gens continuent toujours à faire confiance à Microsoft après autant d'années. Ah, je suis hors. Je me trompe toujours dans ce chemin. Bon. D'abord ce réveil à la mine, puis la réapparition d'Edmond, potentielle disparition de Karpok. Ces choses étranges. Dans ma cabine.
Ouais, il faut que j'en aie le cœur net. Alors, est-ce que je me souviens du chemin? Toujours très compliqué. Et déjà, je pense que je ne suis pas sur le bon chemin. Il aurait fallu que je croise un morceau d'épave. Peut-être ici. Non. Ouais, si. Si, c'est le bon chemin. Et ma combinaison qui commence vraiment sérieusement à déconner. Si on accélère pas là. Notre développement ici, je pense que malheureusement, ça va mal se terminer pour nous. Et là, j'aurais dû... Non! C'est bon. Des nouveaux messages. Hein? Oh. Même message que pour Karpok. Et ça, est-ce que c'est... J'arrive pas à savoir si c'est la réponse à mon message. Non. 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 Ah non. Faut que j'arrive à ramener ça. Même en partant, on nous retrouve. On n'a aucun endroit pour fuir. J'arrive à ramener ça en salle de décontamination. Ah. Pourquoi? Je comprends décidément plus rien. Est-ce qu'il est en train de se passer? J'essaye d'aller à l'écart pour souffler. J'ai pas d'inhalateur sur moi. Non. Il faut que je respire. Je,
comprends vraiment pas ce qui est en train de se passer. Karpok disparu, peut-être mort. Edmond qui revient, qui nous parle d'un étrange rêve. Encore ces voix là. Non, puis surtout, mais pourquoi je me suis réveillé à la mine? Il va falloir que j'aille explorer là-bas. Je vais déjà essayer de revenir à l'avant-poste. Il va falloir que je leur dise. Sinon, je vais paraître encore plus suspect. Et je pense que là, on n'a pas besoin d'être suspicieux entre nous, il faut au contraire que je leur dise. Je me demande comment ils vont réagir. Est-ce qu'ils vont se retourner contre moi? On a déjà eu bien assez de soucis comme ça. J'espère pas. J'essaie de rallumer ma radio. Surtout que pour alimenter tout le truc du pétrole, ça va vous prendre du courant. Ah, ça y est, je vous recapte de nouveau. Vous êtes où? On est toujours à la base. Toujours à la devant base. L'entrée. On s'est donné dans rendez-vous devant l'entrée de la grotte pour les vérifier. Anne, c'est moi, sont mal avant-poste à l'entrée de la grotte. Mais très comme bien. C'est toi qui as les codes, ben on peut pas rentrer. Quoi. Ouais, je... Attendez. Je suis juste à côté. Il va falloir que je vous dise quelque chose. Attendez, j'arrive. Ok. Je garde toujours un œil sur l'ennemi pour savoir si jamais son... sa belle GPS ne s'en va pas du... de l'avant-poste. Ouais. Après lui, c'est à la balle. Ah, les genoux. Je vais prendre les quelques baies qui sont là, enfin les quelques noix. On pourra peut-être en avoir besoin dans la grotte. Hein? Ok. Alicia c'est va nous rejoindre. Alicia arrive. Elle est en route. Déjà, l'entrée n'a pas bougé, ce que je disais, c'est plutôt bon signe. Je m'attendais à trouver un cratère dans la porte, mais a priori, non. Ouais, oui. Et il faut. Je vais attendre qu'Alicia soit avec nous. Enfin, si ça veut pas dire grand-chose qu'elle soit fermée, vu que manifestement la zone de confinement a été forcée alors qu'elle était fermée aussi. Ouais, mais ma réflexion, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train d'énerver une entité qui déjà nous en veut, et on l'a énervé un peu plus en farfouillant là-dedans, d'où le fait que... parce qu'on a trouvé dans la chambre de Karpok. Donc je m'attendais que quitte à être énervé, qu'elle défonce sa sortie, en fait. Je m'attendais à des dégâts, quoi, quelque chose qui casse. Donc... Bah, je prends l'espoir où je peux le trouver, d'accord? Parce que voilà. Non, mais je comprends votre raisonnement. Le coffre, c'est vous qui l'avez fait? Oui, je. Ah oui, vous avez déchargé votre équipement ici? Non. Enfin, en quelque sorte, oui, mais. Il faut que je vous dise quelque chose. Mais je crois que Alicia est au-dessus. Dessus ou en dessous? Au-dessus, en dessous. Non, vous êtes au-dessous. Voilà. Ah, voilà. Hein? Ah, il faut que je vous dise quelque chose. Ce matin, mon réveil, je me suis réveillé exactement à cet endroit. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Et par contre... C'est parce que... Enfin, si, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. C'est qu'avec tout ce qui a commencé à se faire à la base, il se trouve que je m'étais fait une sorte de base en dehors de la base. Très exactement sur votre map. Alors, les coordonnées, c'était en 2375... moins 2475-31. C'était, oui, parce qu'en fait, je pensais que du coup, j'aurais un meilleur aperçu de ce qui se passe en étant
éloigné en dehors de tout ça. Le problème, c'est que l'entité est arrivée jusque là-bas. Avec ces messages tout aussi cryptiques. Mais il y a un des messages qu'on a pu voir dans la chambre de Karpok qui était là-bas. J'ai du coup détruit l'autre base. Et surtout, il y avait d'autres coffres et il y avait ça. Non. Je savais, hein. Je sais qu'il va quand même passer ce truc. Et je pense que quand Edmond dit qu'il a vu un rêve, je pense qu'il a raison. Parce que l'entité était déjà passée. Et je lui ai posé une question en me demandant si elle allait répondre. Je lui ai demandé qui elle était. Et elle a répondu un seul mot, mais répété plein de fois. Juste toi. Alors je sais pas si c'est lié à... Parce que ça fait un petit moment que je peux avoir des absences. Je pense que c'est lié à la fatigue, au stress, mais... Voilà. Allons voir si cette sphère est celle de la grotte. Et celle de la de qui se trouve là-bas, elle y est toujours. J'ai considéré que c'était celle de dans la chambre de. Est-ce qu'on peut avant de partir là-bas transférer celle-là avec l'autre? Je préfère éviter de la laisser le là. Ça fait un bout de route, je sais, c'est pas à côté, j'ai bien conscience. Mais À la grotte. Vous voulez dire à la zone de confinement? Oui, oui, j'ai fourché, pardon. Oui, pardon. Je suis désolé de vous avoir caché ça, mais la situation était très tendue, il fallait que... Ça fait longtemps que il y avait des messages sur vos murs, là-bas? Je dirais peut-être 2-3 jours. Ah, donc ça datait d'avant qu'on découvre ça, quoi. Ah oui, ça arrivait avant, oui. Mais ça, les messages ont commencé de toute façon au moment où... Vous êtes mort. Après, en donc tout cas, après le jour où on vous a vu mourir. Au poison de Karpok, là. Ouais, mais ça, enfin, c'est oui, mais c'est mort, ça, ou c'est ça, Stéphanie. Comment ça, donc, tout a commencé à dérailler encore plus que ça ne déraillait déjà de base, une fois que le Karpok nous a convaincus de boire ça. Oui, mais est-ce que c'est lié à... La potion. Est-ce que c'est lié à ça? Enfin, je pense pas, il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent, et pourtant Karpok n'est plus là. Oui. À moins que cette potion, je sais pas, nous ait tous rendus fous ou... Non, Faudrait qu'on trouve un moyen d'analyser cette potion. Ah, je pensais que c'était déjà fait. Non, comme j'ai dit, le MAM refusait de l'analyser. C'est ce que j'allais dire. Mais est-ce qu'on a une possibilité d'analyser aussi nos historiques informatiques de nos combinaisons? Ça va être compliqué puisque du coup nous sommes coupés de tout. Question informatique, tout est pété. Donc c'est pour ça que nos combinaisons déconnent. C'est pour ça qu'on peut plus rien envoyer. Donc ça va être compliqué. Mais parce que le fait d'avoir vu les monstres se dédoubler et puis avoir les doubles qui nous attaquent en même temps, je commence sincèrement à me demander si nos artefacts sont pas réels en fait. Est-ce que c'est vraiment des illusions en fait? Est-ce que quand on s'en débarrasse, on s'en débarrasse? En tout cas, ceux dont on a réussi à se débarrasser, ils ont tout simplement disparu. Donc j'imagine que oui, il s'agissait peut-être d'hallucinations collectives. Mais ce qui était étrange, c'est qu'ils étaient palpables quand même. Donc ils prenaient des coups. Le double du monstre tout à l'heure aussi, le sanglier. Ouais. Il a bien pris les coups, hein. Il nous allait nous en donner même du coup. Et les voix que j'entendais quand on tombait sur la sphère ou ces trucs-là, j'étais le seul à les entendre ou... Non, on les entend tous. On est bien d'accord que c'est la même voix qui fait notre système d'exploitation, c'est Ara. Ça, oui. Il ressemble, mais comme s'il y avait un effet dessus. Ouais. Donc, c'est... Le truc arrive à pirater entre guillemets nos combinaisons pour utiliser les voies du système Fixit pour essayer de nous passer des messages quoi. Je sais pas, est-ce que l'entité n'aurait pas un impact sur l'informatique de nos outils en fait? Vous pensez qu'il s'agit d'un bug? Un sacré bug, hein. Sacré bug, si c'est un bug. C'est le bug, il a développé une personnalité entière, quoi. Enfin, c'est...
Écoutez, ce qu'on peut faire en rentrant à la base, mais nous, ça risque de nous mettre encore plus dans la merde. Je peux tout déconnecter. Parce que les machines tournent encore, mais si tout est éteint... C'est ce que j'allais dire. Parce que nous, on déconne, mais les machines, elles, ce que j'ai dit tout à l'heure, nous, on est en train de devenir fous, mais les machines, elles tournent toujours bien, elles vont dans le même sens, tout est immuable, il n'y a aucun problème de leur côté, elles, quoi. Et elles ont un fonctionnement très binaire, je marche pas. Il n'y a pas de truc... Enfin, je sais pas, elles sont moins compliquées que nous, en fait. Mais si on commence à couper les machines, c'est toute notre survie qui va devenir encore plus compromise. Ah oui, je suis complètement d'accord avec vous, Stéphanie, mais si ça peut permettre d'arrêter... tout ce qui est en train de nous arriver, c'est peut-être la meilleure des solutions. Il y aura encore des choses qui fonctionneront, puisque nos constructeurs sont indépendants, ils ne sont pas reliés aux machines. Oui, et puis c'est pas les machines qui vont faire notre nourriture, ça c'est ce qu'on récupère dans la nature, les baies, les noix, les machins. Donc, niveau alimentation, on aura de quoi survivre, quoi. On aura pas d'électricité, mais... Ici, l'électricité est grâce à ce qu'on est en train de générer sur cette planète. Ah, vous êtes revenu. Oui, si vous coupez tout. Bon. On arrivera quand même à tout faire tourner. Tout est sur... normalement, avec votre système, tout est indépendant en termes énergétiques, non? Je sais pas. Je sais plus trop. Je commence à craindre que le système entier prenne son indépendance là, à ce stade-là. Je crois qu'il y a plus grand monde qui sait quoi que ce soit en vrai. C'est toujours aussi angoissant cet endroit. Alors, il n'y a pas des écrans avant là? Sur les rochers, les écrans. Ah si, vous avez raison, Hans. Ah d'ailleurs, tous les écrans ont disparu. Quelqu'un est venu démonter la grotte ou il reste... Il n'y a que les écrans qui ont disparu ou il reste aussi? Mais non. Oula, attention. Ouais, faites attention. Bah du coup, les araignées sont revenues. Ah oui. Ouais, vous avez peut-être raison la dernière fois. Alors, que ça, c'est peut-être le fait qu'il y ait des constructions qui ont repoussé les araignées plus loin. Et maintenant, il n'y a plus rien. Enfin, plus rien. Je suis perdu, je me repère plus là. Le point de repère a disparu, je suis perdu. Mais attendez, mais tout a été. Enfin, si la faune est revenue, ça tend à supposer que ouais, tout a été démonté quoi. Ah oui, les masques sont revenus, parce qu'il y en a une là déjà. Mais je crois que Elias avait pas réussi. On a pas réussi à la récupérer. Parce qu'il y en a là, d'accord, il y en a là aussi. Non, mais vraiment tout a disparu. Sauf le mur. Ah ouais, c'est le mur de fermeture de l'autre côté, ça. Je suis pas sûr, non. Non, ça donnait vers la sphère, justement, ça. Oui. Ah, donc c'est la zone de confinement de la deuxième sphère. Ouais. Enfin, de la deuxième sphère, de la sphère qui était là. Ah oui, pardon. Pour ça, c'était pas alimenté, mais... Ok. Attention. Ouais, elles sont de retour. Derrière, elle est là, elle est en train de se balayer. C'est rapide, c'est merde. Pourquoi il y a une étrange lumière Bah ça a disparu. Je pense que ma combinaison est en train de... Non, c'est peut-être une limace, les limaces sont en train de revenir. Mais... Ah, il y a encore des saloperies. Ah, elles font mal. Merde, où est-ce qu'elle est? Ah, là en dessous, ok. Elles en bas, ouais. Elles sont en bas. Ah putain, je l'ai déjà vu là. C'est bon. Ah, j'ai pris extrêmement cher. Vous voulez quelques baies? Ah, j'aurais bien besoin. Voilà.
Et j'ai encore des noms s'il vous faut. Attendez. Voilà. On a des restes de traces qu'il y avait bien quelque chose. Non, ça ira, Stéphanie. Vous pouvez reprendre. Ok, je les ai reprises. Ah. On a des restes de traces qu'il y avait bien quelque chose. Et la sphère a disparu. La sphère n'est pas là. Ah oui, effectivement, il reste. J'en entends encore, mais c'est pas possible. Et il n'y a plus rien. Là où, je pense. Ils sont là où. Mais c'est infesté là, de toute façon. Ouais. Il faudrait peut-être reconstruire quelques trucs pour les faire fuir. Je sais pas si on doit revenir. Ouais, je suis pas sûr qu'on va revenir s'il n'y a plus rien. Hein. Voilà, c'est j'ai le courbé qu'on revienne. Bon. Parce que ces bestioles, moins on les crase, mieux c'est. Il faut. Je vais aller voir. Il y avait un autre. Il y avait autre chose aussi qui était dans cette grotte. Enfin, à la sortie. La base. Oui. Faut vérifier qu'elle soit toujours là. Bon, je sais plus comment on y va, par contre. Hein. J'ai pas mémorisé le chemin. Donc ce mur n'est plus nécessaire. On va quand même le laisser. Oui, c'est toujours mieux que les petites bestioles ne sortent pas d'ici. Je vais pas le mettre les fils électriques. Hein, parce... ah. Si, vous allez les remettre. Allez-y, sortez, il faut que je... Ok. Oula. Ok. C'était pas lourd du coup parce que moi je sais plus. Hein. C'est une très bonne question. Je sais que par là-bas il y avait le poison. Ça je. Oui, donc il faut qu'on revienne en arrière. Par ici. Enfin, je crois. Et il y avait un autre passage. Oui, c'est ça. Ouais, c'était dans cette salle où il y avait tous les messages de l'unique. Il devait y avoir un autre passage juste ici. Ah oui. Effectivement. Stéphanie, vous êtes avec nous? Oui. Oui, je vous suis. Ah oui. L'eau. Ouais. Ah, c'est ça. On se souvient de ça. Ok, prenez bien votre respiration avant de plonger. C'était pas si profond que ça, hein, il me semble. Oui, mais ça doit quand même se faire en apnée, donc. Oui, mais on a un stock d'air sur les combinaisons, de toute façon. Bon. Alors déjà, il y a toujours le mur. Tout a disparu. Sérieusement? Il n'y a plus aucune trace. Et il y avait quoi encore ici? Je me souviens plus. C'était une base temple, toute rose. Un temple avec de l'espèce de. Comment ça s'appelle? Le quartz qui. Partout. Du quartz partout. Un agrégat de fil électrique aussi. Enfin, c'était. Particulier. Mais c'est pas possible que tout soit disparu en moins de 24 heures. Vous savez quoi? Je pense pas qu'on a énervé l'entité. Je pense juste qu'elle se fout de notre gueule. Ça veut dire qu'elle a un sens de l'humour, donc elle a un sens de l'ironie, donc elle est beaucoup plus évoluée que juste un sentiment primaire à l'animal de t'es sympa, t'es un ennemi. Donc elle réfléchit. Bah. Elle communique. Elle doit sacrément s'amuser si elle se fout de notre tête, hein, comme ça. Ouais, et puis si c'est le cas. Enfin, on sait toujours pas ce qui est arrivé vraiment à Karpok.
Karpok a dressé l'entité et il se fout de notre tête. Bah, est-ce que Karpok n'aurait pas commencé à être touché par l'entité avant nous, en fait? Est-ce qu'il n'aurait pas commencé à être touché par ça dès l'arrivée en orbite? Ce qui expliquerait l'explosion du vaisseau, ce qui expliquerait son alcoolisme, hein, parce que il va falloir des voix dans sa tête, l'alcool, ça marche bien. Et enfin, je pense qu'il l'était bien avant cette mission. Oui, mais justement, il avait un tel impropice, et puis elle en a profité. Je sais plus. Au stade où on en est. Heureusement qu'on est coupé du monde. La base nous prendrait pour totalement fou ou complotiste ou Dieu sait quoi. Ben, la base ne nous reprendrait pas, déjà, je pense. On finirait notre vie en quarantaine. Oui, ah, je suis assez d'accord avec ça. Ou limite. Pas exactement. Aïssia ? Mais ça différerait pas exactement de notre situation. Ah. Ouais, finalement. Bah, la pièce de quarantaine, elle est plus petite qu'une planète. Bah, disons qu'ici, on a un mince espoir d'arriver à s'en sortir. Si on était cloîtré en quarantaine, on n'en aurait aucun. Mais la question que je pose, c'est s'il y en a un qui va s'en sortir, est-ce qu'on va pas embarquer ce machin avec nous ? Parce que s'il est dans les circuits. Bon, il faut rentrer à la base. Bon, Edmond semble toujours là, à moins qu'il ait enlevé sa combinaison. Mais... Bon. Qui est avec moi pour aller chercher une nouvelle mine de charbon et si c'est à côté de l'eau. Créer une mais il y en avait déjà Alicia, je crois qu'il y en avait déjà à moins qu'elle soit déjà exploitée en fait. Je Attends. Crois que c'est déjà exploité pour faire de l'acier. Ah, tout est exploité déjà. On va chercher une autre. Que je crois qu'il y en avait quand même deux ou trois, si je dis pas il de bêtises. Il y en a trois à moins d'un kilomètre par contre. Bah, moi je veux bien venir avec toi, Alicia, mais je passe juste à la base avant, rechercher la fin de mon équipement. Bah, pareil, il faut que je sente toujours royal aussi. Histoire d'avoir de quoi créer des lignes électriques, des appareils, etc. quoi. Moi je vais couper tout le système informatique pour voir si ce dont on parlait juste avant va fonctionner. Edmond, ça va? Ça dort toujours. Il est toujours là? Ouais. Enfin, c'est... Est-ce que je peux vraiment répondre à sa question, sachant qu'on peut avoir des actes à feuilles de nous qui apparaissent n'importe comment? En tout cas, il y a quelque chose qui ressemble à Edmond dans la chambre. Voilà. Bon, ça ronfle. Donc qu'est-ce qu'il fallait pour le charbon? Il fallait des pompes à eau, tout ça là. Oui. Oui. Ok. Foreuse MK2. Enfin, je prévois de l'MK2 pour la foreuse ou MK1 suffit. Bon, MK2 hein, désormais. Bon. Parce que c'est pas moi qui supervise la création de la première. Alors. Je sais pas qui se connaissent. Est-ce qu'on va passer la première en MK2? Je sais pas. Alors, parce que si on passe la première en MK2, on peut récupérer de la. Si elle ne l'est pas encore, on peut récupérer de la marche là. Ouais, mais je crois qu'elle est, de toute façon. Enfin, faudrait les vérifier, elle est pas très loin, mais il me semble qu'elle est. Je vais les vérifier. Je suis en train d'éteindre tout le système. Hein. Je suis dispo dans quelques instants. Est-ce qu'on risque pas de perdre la communication avec ça? Bah, on a déjà plus aucune communication. Non, mais entre non, nous. Mais entre nous. Ah, ben on va voir ça. Je prévois de quoi faire des onduleurs ou pas? Je sais plus combien on a des onduleurs. J'ai complètement déconnecté là. Je sais plus où on en est. Je sais pas. J'ai pas suivi les onduleurs puisque c'est ouais, pas dans. Oui, mais pareil. Moi, c'est votre domaine. Comme ça a été évolué en mon absence, j'ai perdu le fil là. Je sais plus. Les sont déjà MK2, les... Ok, donc il faut repartir sur du neuf. Ah oui, donc il faut des foreuses. Vous avez déjà des foreuses sur vous, hein, où il faut en refaire? Il y en a un petit stock à
côté du hub, il me semble. Au pire, ça coûte pas bien cher à refaire. Hein, ça, c'est pas... Non, mais c'est parce que s'il fallait les fabriquer, je les fabriquais, quoi. C'était... Ouais, bien sûr. Mais non, il me semble qu'il y en a. Hein. Ah oui, il y en a 3 dans le... Ouais. Et pour une MK2, c'est 2, non, qu'il faut. 2. Ouais, mais je sais pas combien de gisements là-bas. Il n'y en a qu'un seul gisement, parce que vu qu'on repartit... J'ai détecté 3 gisements. Ouais, donc il en fait. Ah oui, donc je vais prendre les 3 et je vais en fabriquer 3 pour être sûr. Je vous entends toujours, donc la radio semble fonctionner, mais tout est déconnecté désormais. Ah, bonne nouvelle. Parce que si on avait perdu en plus la communication... Non, mais je pense que le système est aussi indépendant en cas de problème, j'imagine. C'est une bonne nouvelle. Et donc j'ai 6 foreuses sur moi. Comme vous saurez, le hub est également indépendant. Donc nous pourrons continuer à faire évoluer la base. Il a l'air de fonctionner. Ah, je vais pas y aller. Bon. Vous êtes déjà parti, hein, c'est Alicia ou... Non, je fais non. Il manque des tuyaux d'acier. Mais par contre, j'ai ma combinaison qui lag un peu là. C'est bizarre. On va éviter de trop courir en allant jusqu'à là-bas parce que on va essayer d'étayer la thèse de Christopher la dernière fois de pas trop aller vite. Pour que nos combinaisons aient le temps de s'adapter et puis que notre sang ne monte pas trop au cerveau, qu'il nous fasse moins de sensations de déjà-vu. Ça pourrait valoir le coup d'essayer. De toute façon, si c'est pas ça, c'est pas ça. À un moment, on aura essayé. Bon, qu'est-ce qu'il manque là? Il manque des tuyaux en acier, du caoutchouc. Caoutchouc, on n'a pas encore. Bah oui, c'est je ça, crois. Caoutchouc. Pourquoi il... Ah, mais non, pas de caoutchouc. Bah non, pourquoi j'ai plus de caoutchouc? Qu'est-ce que j'ai fait? Tuyaux en acier, j'en ai sur moi, si vous en faut. Bah, très bien. Et poutre en acier aussi. C'est tout ce qui m'a manqué, vu que j'essaie de comprendre pourquoi j'ai pingué du caoutchouc. J'ai aussi poutre en acier. Ok, bah parfait. Pourquoi j'ai mis du caoutchouc? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Pourquoi j'ai mis ça? Bon, je voulais gérer, je vais voir où on est le camion, mais... Ouais, j'ai pas l'idée de pourquoi j'ai mis du caoutchouc. Peut-être des valves. Il y a quand même une sorte de redondance, j'ai l'impression, dans nos journées. La valve, bien vu. Au lieu de pipeline. Ouais, c'est bien ça, effectivement. Ouais. Pas sûr qu'on m'entende. Si, une redondance dans les journées, mais... J'ai l'impression que les réveils sont toujours... Et ensuite, on revient comme ça au train-train quotidien, c'est quand même... C'est comme tu disais au début, on s'occupe l'esprit, mais la question que je me pose également, c'est qu'on était censé avoir mis les tours de garde. Donc est-ce que ça veut dire que nos tours de garde n'ont pas marché et puis on est tous tombés dans une espèce de coma en même temps, ce qui fait qu'on n'aurait pas de contrôle là-dessus et puis du coup l'unique en profiterait? Ou est-ce que ceux qui étaient de garde à ce moment-là, c'était justement Edmond et Capoc? Mais comment ils auraient pu être de garde si... Oui, on les a mis en... Oui, c'est vrai. Oui, ils étaient absents de toute façon. Et c'était qui était censé être de garde cette nuit? Je me rappelle pas. Je m'en rappelle pas du tout, donc... Non, moi non plus. J'avais pris le deuxième tour, je m'en souviens. Et qui c'était le premier? C'était prévu comme ça. Le premier, c'est... soit toi, soit Alicia. Je n'ai aucun souvenir. Peut-être Elias, mais... Ou Elias. Oui, c'était peut-être Elias. Enfin, je me souviens qu'on en a parlé, je me souviens d'avoir pris le deuxième tour, enfin d'avoir dit de le faire. Je pensais que c'était moi le premier tour. Par contre, je me souviens pas de m'être éveillé. Donc il faudrait voir avec Elias quand il se réveillera. Probablement. S'il a plus de souvenirs que nous. Clairement, je me souviens pas de m'être levé pour aller faire un tour de garde, j'en ai aucun souvenir de ça. Là on est prêt, Alicia, on est prêt à y aller quand tu veux. Je sais pas où t'es rendu, mais. Oh, je suis à l'avant-poste. Je suis pas très loin de l'avant-poste. On se rejoint à l'avant-poste ou... Oh. Oui, c'est plus proche, c'est proche de l'avant-poste. Ok. Bah ok. Go l'avant-poste. Bon, sachez que si vous cherchez de l'acier, nous en avons vraiment en masse. Je vais peut-être rajouter un. Ah non, je pourrais pas rajouter un conteneur. Et la gare, il y en a le transit. Si, à la gare. Oh. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien à cet endroit-là. Ah, un déjà vu encore. Vraiment, ça va devenir compliqué, c'est histoire de déjà vu là. Putain! Oui. J'ai raté la tyrolienne.
Ah, c'est un coup à prendre. Ouais, enfin, ça fait vraiment très mal au genou. Ah, on s'y habitue. Après, moi, je dis ça, j'ai un passif. Hein, j'ai l'impression qu'on s'habitue trop facilement à plein de choses ici. En même temps, ça devient un peu notre quotidien. Hein. Ça sert à rien de paniquer dans tous les sens. Alors, oui, si, ça sert de paniquer, mais constamment, non. C'est un risque à devenir fou. Je suis là, je suis derrière vous. Je vais juste chercher Alicia, mais elle va me chercher aussi. Je suis là. Je vous vois. Je vous ai tout, du coup. Il va peut-être falloir que je stoppe le tracteur. 50 mètres de moi. Oh, vous êtes en bas? Ah oui, ouais. Je vous vois. Ouais. Il va falloir que je stoppe bon, le tracteur. Je vais pas tenter la descente comme ça, hein, parce que mes genoux ne s'en remettraient pas. Ils ne sont pas encore tout à fait remis de ma dernière, mon dernier saut dans le vide. Le tracteur fait n'importe quoi. Ah non, c'est pas ça, c'est qu'il a été bien trop efficace. Ah. Ah, c'est mieux, pour mieux ça que. Allons-y. Bon, hein? Oula! Christopher? Oui, tout. Bah écoutez, tout va bien, C'est étrange ce qui vient de se passer. Par où j'étais passé. Non, mais je pense que c'est la fatigue. Ah, par contre, j'ai. Ouais, sur le bout, on s'est passé. J'ai dû laisser derrière moi mon équipement, je sais pas ce qui s'est passé. Bah, on n'est pas très loin encore, hein. Donc s'il y a besoin d'aller chercher quoi que ce soit, avant qu'on s'en aille à Falpette, justement. Alors je sais pas trop ce qui s'est passé, je pense que comme j'ai sauté sur le camion, j'ai pas été écrasé parce qu'on peut pas mourir de cette façon là. Ah, c'est bon, y a mon coffre. Mais je pense que je suis passé sous la map. Ah c'est bon, yes. Il va pas falloir monter tout là-haut. Non bah écoutez, rien de grave apparemment, je viens de checker l'ensemble de ma combinaison et tout. Ah bah tant mieux. Non, je pense que j'ai dû avoir une micro-absence. J'ai dû faire une bêtise quelque part, je sais pas. Au moins, il y a de l'eau. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais. Du coup, je confirme que le camion est bien trop efficace. Parce que là, il a fini de. Mais je crois que j'avais prévenu de ça. Ah ouais. La dernière fois. Oui, bah on le réactivera quand on en aura besoin. J'allais dire, on peut peut-être le mettre en pause pour éviter que tout ce qui vide les usines et les mettre au broyeur. Non, il est. Après, ce qu'il envoyait vraiment au broyeur, c'était des ressources de base, plaques de fer, tiges, fil électrique. Oulala. Non, il est bien trop efficace. Hein. J'ai pas des masses de vie, hein. Enfin, ça va, vous avez l'air d'avoir géré au moins le premier. Bah, c'est vrai qu'on n'a pas croisé de. Comment ça s'appelle? De buisson, de baie. Là, il y a un champignon. Ça se mange, ça? Ça se mange. Oui. Par contre, faites attention au. Alors, je viens de survivre. ouais, j'étais pas censé survivre, hein. Je crois que j'ai survécu uniquement parce que j'ai réussi à toucher un bout de roche. Bref, c'est improbable. C'est un peu ma vie, il y a quelque chose d'un peu plus acceptable. Est-ce qu'on touche à la limace, sachant que je suis toujours pas rassuré sur cette truc-là. Je sais que Lucien, tu m'as dit que c'était bon, mais j'ai toujours un doute. C'est plus fort que moi. On m'en occupe. Ou est-ce qu'on laisse la limace, effectivement, je suis à l'avant-poste en train de regarder les conteneurs. Ils sont plus que pleins. c'est une dinguerie. Et okay, rajouter des ressources à transporter histoire de qu'ils tournent pour quelque chose, quoi. Ou un deuxième itinéraire. Je sais, on peut cumuler des itinéraires et un petit facile. Non, mais là, y a pas besoin. Mais du coup, c'est bien ça. On a 11 coupons grâce à ça. Après, c'est là ce qui est en train d'être détruit. Comme je vous dis, c'est des
C'est des ressources qu'on a eues au tout début, plaques de fer, tiges, fils électriques. Mais dont on a moins besoin maintenant. Ouais, on en a vraiment en masse, donc c'est pas une grosse perte. Il doit peut-être y avoir de la bobine aussi. Non, mais c'est bien, ça permet aussi de se refaire des bonnes réserves à l'avant-poste. Eh ben, j'ai l'impression qu'il va falloir monter. Bah, j'ai prévu de reconstruire, hein, donc. Ouf. J'ai prévu. Vraiment, ah oui, quand même. Enfin, j'ai prévu, oui, jusqu'à un certain point, quoi. Peut-être moyen de faire un palier, faire le tout. Là, ça a l'air de monter, non? Ou c'est moi qui... Là, ça a l'air de monter, oui. Ouais, on peut le tenter, et puis au pire, on finit avec une rampe. Bah, je pense... Ouais, je pense qu'ils sont trop loin, je capte plus leur radio. Ouais, ils sont pas si loin, mais je pense que la montagne doit les... De les bloquer. Ah, donc je suis tout seul. Ça va être bien calme. Ok. De quoi aurait-on besoin pour se faciliter la vie? Non. Oui. Ouais, je pense que l'hypertube, ce sera un joli rêve. Hein. C'est vrai qu'à la base on voulait prendre ça, mais bon, quand même des choses un peu plus importantes. Surtout qu'il va falloir. Ah, d'ailleurs, est-ce que ça a de nouveau été. Non. Non, mais je pense que. Il est très bien. Très bien ça. C'est très bien. Mais il va falloir que j'aille interroger Edmond quand même après. Très dangereux quand même à chaque fois ce qu'il a fait. Sûr de mourir. Pas aujourd'hui. Ouais, l'ICA l'a peut-être fermé, mais normalement, il met passe administrateur. Ok. Oh. Et l'ICA n'a pas fermé la deuxième porte.
Ah. J'ai détruit le mauvais. Très dommage. Un peu couverte celle-là. D'accord. Donc non. On va faire tourner une recherche ici. Ok. Il faut que j'essaie de comprendre ça. Je n'arrive pas à... Je n'ai rien sur ni Stéphanie ni Alicia. Et je me demande, est-ce que c'est moi pendant mes absences qui ai créé ça? Et en plus, pourquoi avoir mis... À part son amour étrange, pour Limas, je n'ai rien sur lui. On va l'exclure des suspects. Ouais. Ce qui nous fait trois suspects. Et ça m'emmerde d'être dans la liste. Ouais. Je vais vérifier si Edmond n'est pas réveillé. Edmond a l'air de se reposer encore. J'ai pas envie qu'ils sortent. Je bloque la sortie.
Voilà. Bon. Ils en sont où, eux? Il va falloir que je les surveille. Ah, ils sont vraiment très très loin. Coucou Igor, comment vas-tu? Et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous faudrait, ouais, ouais, plastique, caoutchouc. Ils avaient déjà mis en place. Oh, j'ai tellement fatigué, je me souviens même plus de ce qui a été mis en place. C'est eux, ça? Ah oui, donc ils avaient commencé à extraire du pétrole. Pas capable de faire quelque chose avec. On peut carrément faire des choses avec. Pourquoi ils l'ont pas fait? Qu'un peu de une petite raffinerie là. Il manque des moteurs. Est-ce que je suis capable de créer des moteurs? Je suis capable de créer un moteur. Il me faut des stators et des rotors. Ah, j'aurais dû en prendre à la base, on en avait plein. On va se faire quelques rotors, il me faut des motors. Enfin, je crois que c'est comme ça. Ouais, j'ai un énorme doute. Mais ce serait bien quand même qu'on puisse avoir accès au plastique et au caoutchouc. Je vais déjà regarder parce que ça sert à un enfer autant si derrière je ne peux pas gérer tout ça. Est-ce qu'on a eu... On a des moteurs qui se font à la base? Putain, décidément. Ça se sent que les nuits sont plutôt courtes. Donc nous disions une raffinerie, voilà, qui permet... Ah oui, c'est très grand ça. Ah. Ok. Je vois le genre.
faut que j'arrive à relier. Ouais, j'arrive pas. Il la met au milieu. Ok. Bon. Donc j'imagine une pipeline. Ça suffit. Et donc, à l'intérieur, on peut. Ok, alors. Non, c'est pas ça que je voulais choisir. On peut soit faire du plastique, mais ça. Donc avec, justement. Ah oui, avec du résidant de pétrole lourd. On peut faire. C'est lourd, hein. Non, c'est brut. Brut, donc on fait du résidu de pétrole lourd et du plastique, voilà, c'est ça. Ou alors on peut faire ça, mais il nous faudrait de la résine polymère et de l'eau. Donc ça, c'est pas possible pour le moment. On peut faire du caoutchouc et ça rejette du résidu de pétrole lourd. Ok. Ou alors on peut le faire avec des résines de polymère et de l'eau pour donner du caoutchouc. Très bien. Ça fait très très longtemps que j'ai pas fait ça. Et avec le résidu de pétrole lourd, on peut faire de la coque de pétrole qui peut être utilisée du coup comme ressource pour le camion et pour tout ça. Bon bah je pense qu'on va partir là-dessus. Hein. Ouais. On va partir là-dessus, mais ça veut dire que derrière... Est-ce que je suis bien en face? Ouais. Hop. Mais il me faut aussi un petit réservoir pour bah, tout ce qui va sortir. Je peux le mettre collé? Non, pas du tout. On va le mettre ici. Hein. Voilà. Comme ça, on va avoir justement tout ce qu'il nous faut. Je vais chercher des stators. Ils sont toujours aussi loin et c'est pas tout de suite qu'on va parler. Je comprends un peu ce qu'ils ressentent quand ils partent en exploration. Ils sont un peu seuls sur cette planète. Avec Edmond malheureusement qui se repose et sur qui il va falloir veiller un petit peu. Normalement il ne devrait pas pouvoir sortir de là où il est. Si on entend Edmond paniquer parce qu'il est enfermé, on saura qu'il est réveillé. Je sais pas si Manu reviendra. Il a l'air d'être parti. Donc je sais pas s'il est parti se reposer. Mais en tout cas, il est mute depuis tout à l'heure. Donc je doute qu'il revienne sur le live. Oui, je sais qu'il avait annoncé 10 minutes. La combinaison refait des siennes. Attendez, je n'avais plus de... Ah, ça m'a utilisé tous mes moteurs.
Il va vraiment falloir qu'on fasse en sorte d'avoir plus de rotor et de stator. Parce que là, on va avoir vraiment besoin des moteurs. Ok, je vais m'en faire 15. Hop. On est comment sur le courant ? Faut qu'on commence à faire attention. Ouais. On a presque épuisé toutes les... tout ce qu'on avait de batterie. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc, alors attendez que je regarde. Où sont passés ? J'en avais pas fait 12 des moteurs. Vraiment, décidément, je suis très fatigué. Bon. C'est bon, ça se crée assez rapidement. C'est très bien. J'arrive pas à savoir si je suis bien en face ou pas là. À savoir, ouais, pas du tout en face. Ça, c'est les défauts. On n'est plus connecté, donc forcément, il y a beaucoup d'options qu'on avait sur nos combinaisons qu'on n'a plus. C'est assez terrible. Je n'ai plus les réglages aussi. Donc, mes configurations, malheureusement, sont obsolètes. Et voilà. Ben voilà. Ça a bien fonctionné tout ça. Bon. Parce ce qu'ils font là-bas, ils ont découvert quelque chose d'incroyable. Bon, en tout cas, dans quelques instants, on va pouvoir passer à la fabrication industrielle. Et ça va changer beaucoup de choses. Ça sert à rien que je retourne pour le moment à la base. Pourquoi j'ai un repousse Xeno sur moi? Faudrait peut-être que je fasse un peu de tri aussi. Bon, je vais faire un aller-retour, il faut que je fasse du tri. Il faut que je me débarrasse de certaines choses. J'espère que quand ils vont revenir, ils ont trouvé plein de nouvelles choses, hein, parce que
En attendant, c'est moi qui fais un petit peu tout tourner, hein. Bon. Débarrasser. Ça. Est-ce que j'ai encore besoin de tout ça? Je pense pas, hein. Il y a beaucoup de choses que j'ai en double mais qui sont complètement inutiles. Pourquoi j'ai autant de plaques de fer sur moi? Et autant de vis. Au secours. Ouais, apparemment ça a dû se couper les autres broyeurs. À moins que celui-ci ne soit pas lié aux autres. Ah, quelque chose qui ne passe pas là-dedans. Qu'est-ce qui passe pas? Bah si, ça passe. Oui, non, c'est juste... oui, ok, d'accord. Non, non, on va se fier à ça, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. ouais, bien sûr, voilà. Très bien. Bon. Je me sens un peu plus léger. Faire des allers-retours là. Dommage. Ouais. Ça fait quoi si j'appuie sur ça? Oh merde, 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 merde. Oh merde. Non, j'ai rien fait. Non, je... Ok, donc j'ai 92, il me manque juste ça ici. Très bien. J'ai jamais fait gaffe. Oula. Étrange, ces champignons qui disparaissent quand on s'approche d'eux. Si je prenais... Ok. Est-ce que le MAM est capable... d'analyser ça? Au cas où. Je sais pas à quoi ça va m'être utile, mais... Faire des tests sur Edmond. Mais qui servait à quelque chose, celui-là. Et dire que tout ça on l'a construit à 5-6 hein, quand même. Hein. C'est pas mal, hein.
Bon. Il faudrait que je retrouve le bouton de ma lampe. J'ai cru qu'il était cassé. Je voyais rien, moi. Bon. Est-ce qu'ils vont bientôt rentrer? Parce que ça fait un moment qu'ils sont partis. Et malheureusement, je les capte plus là. C'est trop compliqué. Hein. J'aimerais bien qu'Edmond revienne. Il a assez dormi comme ça. Donc 40. Ah, qu'est-ce qu'on s'emmerde tout seul sur cette planète. Heureusement qu'il y a des gens avec moi. Hein. Ah, je pense que j'aurais pas survécu longtemps s'il n'avait pas été là. Hein. Ah. Ouais, je supporte plus la solitude hein, depuis Mine d'Or. Hein. Mais après, on a quand même un meilleur spectacle que là-bas. Hein. Ah, si seulement ils pouvaient recevoir nos messages d'urgence, ce serait bien qu'on vienne nous chercher. Cette planète est rigolote. On dirait qu'elle est sur le point de se fissurer. Presque envie de l'appeler Cravité. Je sais pas pourquoi. Une sorte d'intuition. Bon, j'aimerais bien rentrer à la base. Allez. Oh, foutue machine. Dit que quand tape dessus, ça accélère. Ouais, bah, pas vraiment. Allez! Pas que ça à faire! Merci, c'est bon. Bah si, il suffisait de taper dessus, c'est bon. Allez, retour à la base. Que j'ai pris le mauvais chemin. Bon, est-ce qu'ils sont sur le point d'entrée? Non, toujours pas. Je sais pas ce qui les retient là-bas. Mais ça doit être grandiose. Ah, j'aurais dû partir avec eux, j'aurais dû partir avec eux. On se fait chier ici! Et tout casser! Tout cassé sur le bouton rouge. Milestone reached. The men with the truck allowed. C'est pour faire quoi ça déjà? Façonneuse.
Qu'est-ce qui nous est le plus utile? Oh, réserve industrielle, très bien. Ok. Ah, il nous faudrait ça en priorité. Ça pourrait être pas mal d'avoir ça. Mais sauf qu'il nous faut des choses qu'on n'a pas encore. Ah ouais, des ordinateurs, tout ça. Ah, il va falloir qu'on refasse quelques mines de charbon en attendant. On n'est pas prêt d'en faire. Et alors que ça... Ouais, même les moteurs. Ok, bah je sais ce que je... Je sais ce que je vais faire en attendant que Yrik rentre. Parce que là... Qu'est-ce qu'on s'emmerde. Nous avons des rotors normalement qui se font ici. On va faire des moteurs. On va faire des moteurs, plein de moteurs. Plein de moteurs. Voilà, des rotors. Par milliers des rotors. Très bien, on a de la place ici. On n'a plus de place. Et là-bas, on a des stators. Des milliers de stators. Il faudrait, je sais pas, faire une sorte de lien entre là-bas et ici. Ah. Quel est le plus intelligent? Faire partir les rotors? Ramener les stators? Trouver un point entre les deux, genre pile poil, ici? Oula. 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 Ah, je crois que je suis fatigué. On va se poser 2 secondes. La combinaison ne semble plus fonctionner. Apparemment, le texte semble pouvoir les... les atteindre, alors que la radio, non. Et c'est fort dommage. Donc, on disait... on va casser tout ça. On aura de bien s'amuser. Très bien. Secours. Voilà. Et ici, on va faire des moteurs. Bon, ça a l'air d'être assez sécurisé. Ça va tenir. Ça va tenir. Je crois. Et pour faire des moteurs, il nous faut des assembleuses. Non? Si. Donc, on va faire... je sais même pas pourquoi je parle tout seul. Personne pour m'écouter de toute façon. Je déteste la solitude. Vivement qu'il rentre. C'était une très mauvaise idée. Et puis maintenant, ça me fait encore plus peur d'être seul avec tout ce qui se passe sur cette planète de merde. Bon. Très bien.
Non. Ce mur me gêne. Très bien. Oh, j'ai plus d'acier, c'est terrible. Bon. Je suis pas loin de la gare de toute façon. Aïe. Ah. Ah, j'ai cru qu'il rentrait. J'allais retrouver mes... J'allais dire mes amis, mais non, mes collègues. Bon, après, vu tout ce qui se passe, est-ce qu'on pense, on peut se considérer comme amis? Je sais pas. C'est pas ça que je cherche. Ah, bah si, en fait, c'est ça que je cherche. C'est exactement ça que je cherche. Non, ce que je cherche, c'est surtout ça. Très bien. Alors, est-ce qu'en passant entre les anneaux de l'ascenseur, c'est sécure? Non, pas du tout. Personne ne fait ça. Personne. Ouais, ça fait penser que j'ai perdu mon animal de compagnie aussi. Je l'ai jamais revu. Ça fait un moment. Et si je fais ça, malheureusement, évidemment. Évidemment. Alors, faire quelque chose de sécure sans passer par là. Ouais, bah, j'ai la solution, évidemment. Toujours une solution. On va contourner. J'adore contourner. Voilà. La sécurité avant tout. C'est très très sécurisé. Extrêmement sécurisé. Dommage. C'est un peu dommage cette histoire. C'est un peu regrettable cette histoire. Un poil regrettable. Pas ma meilleure construction. Ah. Vous croyez que ça passe ou que ça passe pas? Une pompe, ça devrait passer. J'entends de nouveau vos voix, incroyable. Oui, c'est juste un chef. Je suis en train de me l'approcher, donc forcément ça. Je pense que vous faites le lien du coup entre nous. Tout se passe bien de votre côté? Je suis un pilote. On avance tout doucement sur la création des nouvelles centrales.
Disons qu'on s'est rendu compte que le secteur était peut-être un petit peu plus foisonnant que ce qu'on avait escompté, donc on a potentiellement la possibilité de faire tourner notre prochaine génération d'électricité juste avec le secteur de là-bas. Ah, bah écoutez, vous m'envoyez ravi parce C'est que. assez violent d'ailleurs, hein. Ouais, d'accord, ok. Parce que justement, j'étais en train de regarder un peu où en était la production électrique. Et effectivement, on avait presque fini les réserves créées par les ondulateurs, les onduleurs, les machins, À les ce point-là? batteries. Oh, il nous restait un tiers. Mais vu que là, en plus, j'ai mis en action certaines choses du côté du pétrole, pour avoir notamment du plastique et du caoutchouc, bah, ça commence à devenir critique. Et puis. Puisque là, bah, je m'ennuie un peu seul dans la base, j'ai décidé de me lancer dans la construction d'assembleurs pour des moteurs. Puisque nous avons des stators et des rotors. Alors, c'est pas Oui. qui commence Ah à la dernière merde. fois? Est-ce que j'ai pas entendu, Il me semble que ça avait déjà commencé à être fait, ça, les moteurs, parce que j'en avais besoin pour faire mon Mais Oui, j'ai des moteurs dans mon stock, donc il devait déjà avoir quelque part une fabrication de moteurs. Ah Ça oui? semble bien. Je sais plus où, À mais la base, peut-être dans le genre au premier étage? Ah bon? Bah, c'est pas moi qui en avais en charge. Mais justement, c'est pas toi et Elias qui a fait ça, justement, c'est venu? Bah, est-ce que oui, c'est possible. Mais en tout cas, moi, Bon. j'en ai plein dans mon, enfin plein. J'en ai quelques-uns dans mon inventaire, donc Ah non. c'est. Alors attendez, faut que j'aille vérifier ça. Ils étaient C'est pas. qu'on a déjà Non, dû. Ah c'est oui, mais vous l'avez pas indiqué sur. l'extérieur. Alors ça, par Sur contre, le mur. sur le mur. Vous savez Ah oui. le. Oui. C'est le mur. C'est Mais le c'est mur. le boulot de qui, ça, normalement, de marquer sur le mur? Ah bah celui qui construit, il indique quand même pour les autres. C'est peut-être un petit peu plus normal, non? Non, au Ah, je premier croyais qu'il étage, y avait un responsable. au premier étage, il n'y a rien du tout, hein, Stéphanie. Enfin, Premier et deuxième, je sais plus. deuxième. Christopher, J'ai du mal quand tu avec es les. parti, Ou en bas? T'as vu que Edmond était parti sur les fusées au niveau des bulles et qu'il restait là à regarder les machins tourner tout seul? Non, j'ai du Où est-ce que. plaquage intelligent à l'étage, j'ai des cadres modulaires, je n'ai pas de moteur. Pardon, Hans. Oui, Non, je ou disais alors on quand les tu a te fait à la balades. main et je déraille, désolé. Edmond se balade tout seul en train de Est-ce regarder que les c'est bulleurs possible? avec amour et passion et ça choque personne. Attends, quoi? Edmond est là? Ben, Edmond est sorti de sa chambre, il est en train de regarder les bulleurs de. Voilà, des. Comment il a fait pour sortir de sa chambre? Je sais pas, il est sorti de sa chambre. J'avais bloqué exprès sa chambre pour pas qu'il sorte. C'est peut-être lui qui a le pouvoir de forcer les portes, du coup. Je me suis cassé le. Edmond, Voilà. Edmond, Edmond, Edmond. Suivez-moi. Allô? Edmond. Oui. Non, non, Edmond, vous sortez pas de votre chambre. Ah mais ah bon? Non, 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 non. Comment vous avez fait pour d'ailleurs pour passer? Hans. Oui. Le Bah j'ai brûleur, l'objectif. je peux lui. Le brûleur de biomasse, si je l'utilisais lui pour la pompe pour éviter de surcharger Attendez, Edmond, le. Ah bah il est là pour ça. Hein. Edmond, passez sur Parce que j'ai l'impression que le l'avant-poste, réseau s'il vous électrique plaît. principal n'aura pas le. Edmond, retournez dans Oui. votre chambre, s'il vous plaît. Alors. Vous souvenez de ce qui s'est passé ou pas, Edmond? Non, pas. Non, 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 ici. Ici, ici. Très bien. J'avais fait exprès. Non, 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 par contre, m'enfermez pas, ça ne remet rien. Edmond, Edmond, Edmond. Je sais pas. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé, Edmond? Oui, je vous ai dit. Oui, Oui. je me rappelle tout. Oui, tout va bien. Non, 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 justement, tout ne va pas bien. Vous avez vu. Bon, vous avez vu l'état de votre chambre. Oui, bah ça, c'est pas moi qui ai foutu le bazar quand même. Oui, enfin bon, vous avez vu la chambre de Karpok? Ah non? Non. Vous avez pourtant fait un Ah non, rêve où je vous étiez viens de avec sortir. Karpok. Oui, j'ai vu Karpok en rêve, oui. Tout à fait. Edmond, ce qui est en train de se passer sur la base est très, très étrange. Vous avez disparu le même jour que Karpok, ou à peu près. On est d'accord. Oui, mais y a pas des. Peut-être y a des choses qui viennent dans nos sommeils, non? Les Oui, boules là, mais les bouboules. vous savez que ça fait quasiment 72 heures que vous avez disparu. Non. Ah, si.
Mais non, pas 72 heures. Non, j'ai dormi, je me suis réveillé dans le cratère. Ah oui, ça fait quand même plus, ça fait quand même un certain temps, Edmond. 72. Et il s'est écoulé quelques jours, oui. Vous pensez qu'on savait pas où vous étiez avec Karpok. Mais j'ai pas pu survivre en 72 jours. Je justement, suis déshydraté. Justement, c'est ça qui est étrange et c'est pour ça que, pour le moment, vous allez rester confiné ici. Mais. Bah, ramenez-moi le docteur ou la doctoresse, j'en sais rien, faites un truc. Mais ils sont. Alors déjà, elle n'est pas doctoresse. Elle est experte en xénobiologie. Et je sais pas ce que où vous êtes passé, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais sachez que il y a potentiellement Karpok est décédé. Très bien. Oui, ça me. Oui. Non, je pense pas qu'il soit décédé. Vous pensez pas. Parti. Mais parti où? Écoutez, j'ai fait le rêve le plus étrange, d'accord, de ma vie. J'ai jamais consommé rien du tout. Mais je peux vous assurer que c'était un truc qui était beaucoup plus réel que réel, en fait. Vous avez jamais rien consommé? Non, à part de l'alcool. Mais jamais sur le boulot. Ah. Mais attendez, on va pas... Vous allez pas me séquestrer, là? C'est quoi ces histoires? Écoutez, Edmond, on a retrouvé... J'ai des droits! On a retrouvé, justement, dans votre chambre, une... La même sphère qu'on a trouvée dans les mines. Bah oui, bah c'est elle qui vient nous faire rêver. Oui, mais qu'est-ce qu'elle faisait dans votre chambre? Mais j'en sais rien. Je sais pas vous dire ça. Je peux pas vous dire certaines choses parce que du coup, vous l'utiliseriez pour vous défendre et tout. Mais comment ça? Attendez. Mais vous êtes un des principaux suspects de tout ce qui est en train de se passer ici. Pardon. Et l'autre qu'on a vu sauter là, comment il s'appelle? Hans, lui par contre il est pas lui. Lui il a disparu, il s'est réveillé dans une espèce de transe furieuse. Bon moi je fais sens quand je me réveille. Il est aussi sur la liste. Ouais, d'accord, mais lui par contre il a le droit de se balader comme il veut. Non mais de toute façon, capitaine, je n'ai nulle part, vous savez. C'est moi qui ai tué, vraiment. C'est vraiment moi qui ai tué tous ces gens-là. Je vais aller nulle part. La planète, elle est là, je peux pas sortir de la planète. Vous avez disparu quand même pendant un sacré long moment, Edmond. Oui, mais bon, j'ai plus rien. Moi, je vous dis. Et quand je me suis endormi, je pense qu'il y a quelque chose qui est venu me visiter. Et qui dit que ce n'est pas encore en vous. Et qui m'a connecté à quelque chose de plus grand. Je pense que l'unique vient des étoiles et que c'est un voyageur comme nous. Et je pense que Karpok a fait le choix de partir et de ne pas rester. Moi, j'ai voulu rester. Bah, écoutez, de toute façon, vous m'avez enfermé, d'accord? Donc je peux rien faire d'autre que d'attendre que vous preniez une décision. Mais j'espère juste que vous n'allez pas attendre la cinglingue là. Je vais en parler avec les autres. Oui, bah j'espère bien. Venez rester sur ce canal, s'il vous plaît. Bon, il va falloir qu'on prenne une décision. Qu'est-ce qui se passe? Vous la battrez de mon? Non, c'est peut-être un peu trop radical. on pourrait, mais... Bon, est-ce qu'après, ça fera encore nous... Et il resterait plus aucune humanité en nous. Edmond a réussi à sortir, je ne sais pas comment, de sa chambre, je l'ai réenfermé, mais il faut absolument qu'on décide est-ce qu'il revient parmi nous ou pas. En sachant qu'il a disparu pendant un moment, qu'il dit qu'il semble être contrôlé par l'unique, que son rêve, d'après son rêve, Karpok aurait décidé de rejoindre l'unique, mais pas lui. Et il est au courant pour les sphères de Mercer et tout ça. Donc soit il délire totalement, soit c'est lui notre saboteur. Comme je l'ai dit, il y en a un autre qui est aussi qui fait partie de la liste des suspects. Mais pour le moment, Karpok. On a... On a aucune trace. Non, pas Karpok. Non, Hans. Ah, pas Karpok. Non, c'est moi. Mais j'en ai bien conscience, hein. Mais c'est moi. Ah oui, c'est vrai qu'avec ses tout a commencé avec lui. Commencé le coulant des sphères. Écoutez. Apparemment,
il aurait discuté avec la avec ça pendant son rêve. En tout cas, apparemment, il y aurait un lien. Alors ça, un lien, oui, ça, je pense qu'on l'a tous vu. Hein. Ça, il n'y a plus de problème dessus. Ça, je pense qu'on l'a. Ouais, mais après, 6 mois, j'ai l'impression que ça va m'appeler tant du mal, même si je ne m'en remets toujours pas. Ouais, je vous entends un... loin. Hein? Je Allez. Commence à moins bien vous capter, j'ai l'impression. Je suis en train de m'éloigner, c'est peut-être ça le problème. Ah, c'est... ouais. Et... Ah, merde. Et qu'est-ce que je fais, du coup? Est-ce qu'on le libère? On le laisse... Parce que de toute façon, il a apparemment le pouvoir de sortir de sa chambre. De toute façon, si c'est sortir, le confiné ne sert à rien. Bon. Donc il vaut peut-être mieux le libérer, mais sous silence. Ouais, je vais faire ça. Je vais le surveiller. Je capte très mal. Ah, shit. Ah, il s'est trop loin. Je capte plus. Bon. Sortir! Laissez-moi sortir! Oui. Je vais vous surveiller quand même. Mais vous êtes vraiment en train de considérer que j'ai buté Karpok? C'est vraiment ça? Ah, qui... vu que... Attendez. Vous étiez le premier à l'accuser de tous les torts de ce qui se passait ici. Mais évidemment, ça s'appelle de la déduction logique. Ça veut pas dire mais que... vous n'avez aucune preuve depuis tout ce temps, Edmond. Eh ben, vous n'avez pas non plus de preuve que j'ai tué Karpok, alors traitez-moi de la même sorte. Bah vous êtes le dernier à l'avoir vu, vous l'avez dit. Je l'ai vu en rêve. Oui, bah ça vous arrange bien que ce soit en rêve. Oh mais ça suffit, hein, refermez-moi. Enfermez-moi tout de suite. Non, vous allez vous bouger le cul et vous allez faire quelque chose pour développer fini, cette... Ah non, c'est fini, moi je fais la gueule. Edmond. Ah vous l'avez voulu, vous savez ce que c'est qu'un syndicaliste, voilà ce que c'est un syndicaliste. Edmond... Sur cette planète, il n'y a plus de syndicats. Eh ben, butez-moi si ça vous amuse. Tabassez-moi jusqu'au bout. Edmond. La voix du travailleur. Edmond. Non, mais allez, rangez votre truc, là, vous faites peur. Sortez d'ici. Bouchez l'infirmerie. Et ça, c'est moi aussi qui ai mis les caisses, peut-être. Eh ben, c'est dans votre chambre. Et là, il oui. y a quoi chez Non, chez l'autre, ne rentrez là. Pas ici. Comment ça, je rentre pas? Il y a marqué l'unique appri, ça c'est pas moi qui l'ai écrit. Mais je suis d'accord. Mais ne rentrez pas ici. C'est pas possible, je vais être réduit en esclavage en plus, quoi. Génial. Mais... Vous êtes j'ai le droit de sortir. Vous êtes complètement con ou quoi, Edmond? En esclavage, mais vous êtes fou? On est tous bloqués ici. Vous croyez, Edmond, qu'il y a encore des... Enfin, tout ce que vous connaissez de la société ici n'existe pas, d'accord? Bah, visiblement si, puisque vous voulez me faire un procès, non? Non. Ou alors vous allez m'accuser, vous allez me tuer, vous allez me c'est tuer pour par... pour la survie de tout le groupe. C'est un autocrate, voilà ce que vous êtes. Mais il est fou! 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 Adieu! Je m'en vais, je vais à l'avant-poste, c'est chez moi là-bas! Ah, il est fou! Il est fou! Il n'a pas désactivé la puce, je peux encore le suivre. Je le retrouverai. T'as eu un petit excès de colère. Ça me rappelle de... mes jeunes années où je tabassais des syndicalistes dans les manifs. Bon, du coup, on disait... des moteurs, ça peut être pas mal des moteurs. Combinaison marche très très mal. Non, c'est bon.
Est-ce qu'on a mis les moteurs ici? Oui. Non. Non. Et donc maintenant il faut ramener... Oh là là, mais pourquoi tout ce qui se passe, tout est aussi décousu? Je sais plus moi ce que j'étais en train de faire. Bon, c'est lequel? C'est lui. Oh, il est plein. Bon, ça devrait faire l'affaire. Bon. Ouais, je m'excuse auprès d'Edmond, mais bon, là. Avec tout ce qui se passe. Bon. Est-ce que je suis vraiment coupable de lui avoir mis une petite beigne? Ça va, il s'en remettra. Promis à tirer au flanc aussi, là. Jamais vu ça, quoi. Alors que tout le monde se démène aussi pour essayer de s'en sortir. Monsieur! Monsieur décide. Oui, je vais faire grève, je suis syndicaliste, de blabla. Dingue celui-là! Souci. Il aurait fallu que j'en fasse un aussi ici. Shit. À moins que celui-là... non. Oui, mais non. Oui, mais non. Eh oui, mais oui. Eh oui, mais non. Ah, je deviens fou. Et en plus, je suis en train de vraiment faire n'importe quoi. Décidément, la fatigue m'a eu. Donc, il faudrait faire... bah non, toujours pas. Il faudrait faire... Voilà. Tac. Tac. Ce sera moche. Mais bon, on n'en est plus là. On respecte plus rien. Très bien. Moi aussi. Voilà. J'ai tout donné pour cette team. Tout donné pour cette mission. Tout qui part en cacahuète. J'en ai un peu. Ah, la casquette. Je pensais que ça pourrait pas être pire que mine d'or. Et pourtant. Et pourtant, bah, c'est possible de faire pire. Ma radio ne fonctionne pas. Ah, j'avais rien. J'étais pas sur le bon canal, oui. Stéphanie. Oui, oui. Bah, j'attendais que vous vous remettiez. Qu'est-ce qu'il y a, Stéphanie? Oui, on peut peut-être se mettre sur un autre canal pour laisser les autres oui, avoir leur conversation. Oui, bien sûr. Ça conspirer. On se met avant-poste. Très bien.
Qu'est-ce qui se passe, Stéphanie? Oui, donc on était à la future base énergie charbon 2. Oui. Et, quand Edmond est arrivé en mode panique, vous accusant de l'avoir frappé, de vouloir sa mort limite. Il y a peut-être eu effectivement un petit excès. Vous voulez votre version Ah oui, non, il y a eu clairement un excès de violence, je reconnais. Je suis passé outre mes fonctions. Je lui ai peut-être mis un coup parce qu'il refusait de m'écouter. Le coup est parti tout seul. Et donc vous avez voulu le remettre au travail sous surveillance comme on en avait parlé? Oui, tout à fait. Et il a refusé ou... Ouais, il a pris un peu la mouche aussi de son côté. Mais bon, vous savez ce que c'est, les syndicalistes. Oui, il a son caractère particulier, Edmond. Oui, c'est exactement ça. Non, oui, donc il y a peut-être eu un petit coup sur le casque. Et donc maintenant, il vous considère comme... Oh bah écoutez, il y avait déjà des tensions avant, ça n'aura juste rien arrangé, mais bon, on est bloqué sur une planète, il ne veut pas le comprendre. Attendez, vous me gênez, oui, merci. Oui, j'étais en train de me bouger. Non, pas de soucis. Non, mais on est bloqué sur une planète, il essaye encore de fonctionner avec... alors certes, il essaye de garder un semblant d'humanité ou de la société que l'on connaît, mais bon, là, on est bloqué. Donc tout ce qu'on fait, c'est pour la survie. Enfin, ça me semble logique, non? Ben oui. Jusque-là, oui. Ok, je suis pas en train de devenir fou, très bien. Donc oui, je lui explique que oui, il va être surveillé, et puis tout de suite, il me sort les grandes phrases, blablabla, je vais le mettre en esclavage, nanana. Bon, il y a un petit coup qui est parti. J'espère juste que ça va lui remettre les idées en place. Ce n'est pas l'impression. Pas vraiment. Pourquoi? Il a l'air de vous considérer comme fou et de... Et du coup, il est venu nous voir comme quoi, bah du coup, vous êtes devenu fou, vous frappez les gens et... Ouais, mais est-ce qu'on a bien fait de laisser Edmond avec Hans tout seul? Quoi? Attends, ils sont tous les deux ensemble? On est tous les trois sur ce canal-ci. Donc ça veut dire qu'ils sont tous les deux ensemble en train de discuter sur l'autre canal. Oh, c'est pas vrai... Ils sont où? Je les vois, ils sont près... D'après la puce d'Edmond, je le vois, il est proche de la gare. La gare de l'avant-poste. Bon, on va... Je repasse sur l'autre, on va essayer de régler ça. Ok. Bon, une fois que j'aurai descendu à l'échelle, parce que c'est dangereux. Oui, ne changez pas de canal sur une échelle. Oui, non, jamais. Moi, je change tout de suite. À tout de suite. Je change de canal. Voilà. Et pour arriver à contrôler tout ça, bah malheureusement, il va falloir qu'on arrive à trouver un terrain d'entente pour nous tous, sans avoir à se taper dessus. Je sais que tu vas me dire que c'est pas toi qui as levé la main en premier, je sais très bien, j'ai bien compris. Mais il va falloir qu'on trouve une solution, sinon on ne s'en sortira juste pas. En fait, on va juste s'entretuer les uns contre les autres, et ça va faire le jeu de l'unique, on sera tous crevés, et ben voilà, fin de la mission. Super, magnifique. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Est-ce qu'on a vraiment arrivé jusqu'ici pour crever comme des cons, se tabassant la tête l'un de l'autre? Est-ce qu'on a perdu Carport pour ça? Est-ce qu'on a perdu tout le vaisseau pour ça? Bon, j'ai eu peur que vous étiez, que vous soyez en train de conspirer là, vous deux. C'est non, sûr. On s'est trouvé un terrain d'entente. Ouais. C'est à faire dingue. Je sais pas comment. Il va falloir arrêter sérieusement la drogue, capitaine. Sérieusement. Attendez, vous êtes en train de dire que je me drogue? En train de dire que vous déconnez sacrément, ouais. Ouais. Mais parce que vous avez pas déconné par hasard. Le truc, c'est que moi, j'étais inconscient quand je l'ai fait, alors que vous faites en place publique. Alors ça vous arrange vraiment. Comment ça? Non, mais vous approchez pas de moi avec votre machin, là. Je vous vois bien en train de venir me taper, là. Vous allez dire aussi que vous m'avez pas frappé? Mais j'ai clairement dit... Il faut savoir que... Il a avoué... On a absolument pas nié vous avoir frappé. C'est un début, mais bon, on peut pas dire le contraire, c'est un début. Oui, je sais pas si c'est pire ou si c'est pas pire, mais c'est un début. Bah au moins on a quelqu'un qui est franc, vous pouvez bien le reconnaître. Oui, il est franc sur son usage de la force psychopathique, oui, il est franc. Peut-être, mais il avoue. Je veux dire, on aurait pu, si c'était vraiment quelque chose de qui et alors, drogue ou quelque chose, il aurait pu taper. Je dis pas le contraire. Puis lui non plus d'ailleurs.
Personne n'a dit le contraire. Je disais juste que là, bon, il y a eu. Personne ne sait comment réagir à ce qu'on a. Bah, déjà, il pourrait présenter ses excuses. Et pourquoi? Oui, non, là, pour m'avoir frappé non. Sans sommation, sans raison. Sans raison, vraiment. Vous êtes complètement en train de péter un câble. Je vous remets les idées en place. Vous m'accusez, vous me séquestrez. Non. Vous dites que j'ai pas le droit de sortir. Non, c'était pas. Vous m'accusez du meurtre et de tous les maux qui sont ici possibles et imaginables. Je vous ai accusé de meurtre. Bien sûr, vous m'avez accusé de la disparition de Karpok. Vous m'avez dit j'étais. Vous êtes. Ah oui, alors oui, ça, oui, d'accord. J'ai dit que vous l'aviez vu en dernier. En rêve. Oui, mais c'est bien ce que je dis, ça vous arrange bien. Donc comme ça, comme par hasard, vous disparaissez tous les deux, ça fait un petit moment, vous êtes le seul à réapparaître, vous avez des infos sur lui. J'ai des infos sur lui, si vous pouvez... Dans vos rêves. Vous avez aussi je suis pas le seul à avoir des hallucinations collectives, hein. Hein, les doubles, les trucs, les artefacts, les bébêtes apparemment qui se dédoublent. Ça aussi vous l'avez tous vu. Bon alors faites pas non plus comme si c'était moi l'origine de ces choses là. Mais on dit pas que vous êtes l'origine, mais que vous êtes affecté. Vous voulez pas comprendre de moi. Bah, écoutez, c'est vrai qu'avec un coup d'épée laser sur le coin du crâne de la combinaison, oui j'ai du mal à comprendre. Vous comprenez bien que si vous avez percé ma combinaison, j'étais mort. Vous comprenez? Et alors dans ce cas, à qui va la tentative d'assassinat? J'ai une question que j'ai pas posée tout à l'heure, Edmond, mais est-ce que ça vous arrive d'entendre la voix d'Allah qui vous parle dans le casque? La voix d'Allah? Ara, notre Ya, notre pseudo-Ya qui nous accompagne sur notre mission. Oui, voilà. Pour remplir des objectifs... Non, mais voilà, en dehors de ça. Non, je crois pas, non. Je sais pas, je fais pas gaffe, vous savez. Hein, c'est... Oh, ben si vous avez entendu ce que je pense que vous avez entendu, vous aurez fait gaffe. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, si vous ne l'aviez pas encore entendu jusque-là, Christopher, ça veut juste dire qu'il a eu été témoin de choses en dessous de nous. Il n'a pas encore eu tout témoin. Enfin... Je suis en train de perdre mon français là, déjà qu'il n'est pas excellent. Bref. Et d'ailleurs, autre chose, pourquoi vous voulez absolument, Edmond, avoir une base secrète qui ne l'est pas? C'est une blague, capitaine. C'était pour remonter le moral. Mais vous pensez qu'on est là pour rire, Edmond? Eh bien, détruisons tout alors. C'est parti. Non, je ne fais rien du tout. Bimouli, bili, 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 bili. De toute façon, je suis là. Arrêtez, calmez-vous. Vous êtes en train de péter un câble. Je suis la source de tous les maux sur cette planète, c'est bien compris. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Bon, ça, Christopher, le calmez-vous. Sincèrement, on s'en fout un peu, quoi, je veux dire. Moi aussi, je vais. Non, mais vous allez vous. Non, je veux juste que vous vous arrêtiez. Voilà. Qu'on puisse discuter calmement. Et vous étiez aussi armé. Voilà. Ouais. Ben, je vais le rester au cas où. Non. Calmez-vous. Je voulais juste remettre la tyrolienne au lieu de... Non, vous êtes bloqué maintenant, Edmond, donc vous allez vous calmer. Ou ça va mal finir? Ah non, vous allez pas commencer à vous faire un duel de... Écoute, en public, là. Écoutez, Alicia, à un moment, il va falloir régler les choses. C'est pas putain de syndicaliste qui va me faire chier. J'ai envie de dire, c'est des bâtons électrifiés. Est-ce que ce serait pas une bonne idée de la monter en ligne et de la laisser, justement? Je veux dire, c'est des armes non létales, en théorie. Non, c'est très létal, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ouais. Est-ce que... voilà. Ou alors, ce ne sont pas des armes non létales, vous avez bien vu ce que ça fait aux espèces autochtones. Oui, parce que peut-être qu'il y a du support juste pas ce genre de technologie, mais là, sur les combinaisons fixites. Mais c'est un bâton avec de l'électricité, c'est létal, oui. Vous inquiétez pas. On a des combinaisons fixites qui permettent de tenir ce genre de choses-là. Alors moi, ce que je veux, c'est qu'on reparte sur de bonnes bases. Alors si on peut trouver un ligne, même si vous avez la main nue pour vous foutiez sur la gueule tous les deux... Je ne veux pas me battre. Vous êtes fous!
Bon. Mais c'est qui construit C'est moi, je veux m'isoler de vous. Je connais cette technique, il va s'enfuir par derrière. Regardez. Laissez-moi, je bougerai plus, promis. Non, mais... Et si on essayait d'avoir une discussion entre adultes? Non, moi c'est impossible, j'arriverai plus à discuter avec lui. On m'a foutu des coups de bâton! J'attends des excuses publiques! Voilà le début de cette discussion, comment elle commencera. Oh là là, le mec n'a jamais pris un seul coup. Ça... Ah, mais pourquoi vous engagez sur cette mission? Attends, si seulement on avait eu des vraies personnes là, capables de survivre au lieu de se plaindre pour le moindre truc. Ils peuvent complètement tordre. Quoi? On n'entend plus Alicia. Ouais. Oui, le problème de radio. Je crois que Minique a un problème sur la radio aussi. Allô? Oui, on vous entend de nouveau. Je disais, Christopher, il n'a pas complètement tort sur ce point de jeu, sur ce point-là. Eh ben, qui reste ici? Je vais avancer ce qu'il faut avancer. Régler le problème avec lui. Moi, je fais tout ce qu'il faut pour qu'on puisse survivre, mais bon, apparemment... Lui, il essaie, il ne comprend pas. Frapper les personnes qui sont coincées avec vous sur cette planète n'aide pas à survivre, je crois. Même si c'est pour remettre les idées en place. Et même si l'envie peut être parfois très fortement présente. Non mais attendez, vous êtes... Enfin... Oui, j'espère bien qu'on est dans un monde où la violence n'est pas justifiable. Hein. Bah écoutez, si vous foutez rien, si, je pense que si. On est plus sûr. Là, on est... Il n'y a plus rien, il n'y a plus société, il n'y a plus rien. Donc oui, on va faire tout ce qu'il faut pour partir d'ici, quitte à justement bah, ne pas respecter certaines règles dont vous avez connaissance sur cette Terre. Alors attends Christopher, on va reprendre le truc depuis le début là. Imaginons que la prochaine personne qui pète un plomb ce soit toi. Tu veux qu'on fasse pareil quand tu cours la plaie par... Comment par ça pour ton... Bah oui. Et tu pas après tout. Parce que tu... Parce que clairement tu penses faire le poids. J'en sais rien. J'en sais rien. Et peut-être pas, mais tu oui, qu'est-ce que j'en sais? J'en sais absolument rien. Ce mec est taré. Ouais. Il est fou, il est en train de péter un plomb. Il va devenir dangereux. Tout ce que je vois c'est qu'on pète les plombs. On est tous en train de péter un plomb, je crois. Parce que, bon, Edmond, est-ce que vous êtes capable de passer par-dessus votre différend, que je conçois important, avec Christopher et de travailler pour le bien général? Ou est-ce que... Non, il n'y arrivera pas. C'est sûr. Christopher, ne le provoquez pas. J'ai nommé ma condition, je veux des excuses publiques, et ensuite... Mais il n'y aura rien, Edmond. Est-ce que vous accepteriez de venir travailler avec Alicia, Hans et moi sur la nouvelle base avancée pour l'électricité, loin de Christopher, ou pas? Si ce dernier présente des excuses publiques et reconnaît qu'il m'a frappé à tort. Voilà. Mais oui, je viendrai volontiers travailler avec vous, Stéphanie. J'ai beaucoup d'affection pour vous et j'apprécie beaucoup votre travail. Vous voulez vraiment que je reconnaisse... Vous voulez vraiment que je reconnaisse que je vous ai frappé? Mais oui! Mais non! Christopher! Revenez ici, Edmond, tout de suite. C'est mort. Je démissionne. C'est ma gueule. Vous pouvez aller où? Vous pouvez démissionner, vous ne partirez pas d'ici. Christopher, stop. Non. S'il vous plaît. Non, si on l'élimine, il y aura peut-être plus de problèmes. Non, si on l'élimine, on aura juste des bras en moins. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre, chien de capitaliste. Oppresseur. Revenez Edmond. Espèce de joueur de Mirror's Edge. Je sais même pas de quoi vous parlez. C'est une insulte. Ah bon? Vous parlez d'un certainement de quelque chose qui date d'il y a très longtemps. Je vois vraiment pas de quoi vous parlez. Mais je suis... Oui, mais maintenant Vous détestiez Karpok, je suis sûr que vous l'avez éliminé. Vous êtes mais parti oui, avec voilà, lui. Voilà, c'est ça. Ah. J'ai muté Karpok. Ah bah voilà. J'ai muté Karpok parce que je l'ai accusé, qui est le droit le plus strict de n'importe qui, comme vous avez l'air de bien vous en priver. Vous accusez à tour de bras, j'accuse à tour de bras. Tout le monde est responsable de la mort de Karpok. Voilà, très bien. Comment ça, tout le monde? Je suis le responsable de la mort de Karpok parce que j'ai eu une vision hallucinée d'un rêve où j'ai cru le voir. C'est de ma faute.
Vous avez entendu. Toutes les justifications que vous voulez pour me buter, faites ainsi. Ce que j'ai entendu, c'est quelqu'un qui en a ras-le-bol et deux personnes qui en ont ras-le-bol d'ailleurs. Et je commence à être la troisième personne. Et moi, je suis armé d'une arme à distance. Je voudrais pas dénoncer, mais Hans aussi avait une arme à distance quand il me menaçait tout à l'heure. Pas Hans, excuse-moi Hans. Edmond. Wow. Alors, je sais que j'ai voilà. J'ai l'impression qu'Edmond est parti dormir. Il va pas s'en tirer comme ça. Non, je me suis caché, c'est tout. Christopher, s'il vous plaît. On est tous à bout. Non. Et tuer un de nos compagnons de galère ne va pas arranger les choses. Non, on n'est pas tous à bout. Je crois que vous comprenez pas dans quelle situation on est. Vraiment. J'ai compris que Loïc avait gagné, quoi. Voilà ce que j'ai compris. C'est bon. Reculez, Stéphanie. Mais pourquoi vous déposez une sphère de Mercer ici? Reculez, Stéphanie. Pourquoi vous avez ça sur vous, Christopher? Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans l'enceinte de... C'est moi le problème, après. Voilà. Maintenant... On va savoir qui a ramené ces premières merdes dans le coin. Hans? Edmond? Ou peut-être moi? Moi. C'est moi qui ai ramené les choses en premier. Votre radio fonctionne très mal, Alicia. Avec la sphère de Mercer à côté, c'est normal. Ce sont les explorateurs qui ont ramené ces choses en premier. Donc tout ce qui arrive, c'est la faute de ceux qui ont ramené ça. C'est à cause de ça que tout a commencé. On n'en sait rien, au final. On sait rien. C'est la faute de la sphère, probablement, mais de là, est-ce que ce soit la faute des explorateurs? Mais c'est comme pour tout le reste, ils ne pouvaient pas savoir ce qu'il a amené, c'est normal. Vous prenez ça vraiment trop à la légère, tout cela. Vous êtes tous calmes, vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Qui est-ce qui a insisté pour muler la première sphère de Mercer qu'on a trouvée? Oui, et puis après, on repart tranquillement, vaquer à nos occupations. Ça me paraissait bizarre. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mais ça me paraissait bizarre, mais chaque jour, vous n'avez pas vu le pattern? Chaque jour, il se passe un truc, dès qu'on se réveille, et puis ensuite... Ensuite, la journée se passe comme si de rien n'était, et ça recommence le lendemain, et ainsi de suite. Vous voyez pas ce qui est en train de se passer? J'aurais mieux fait de garder notre base. On me retrouvera pas de toute façon. Bah, Lydie vous a trouvé déjà, mais... Et donc il est parti là? C'est l'un d'entre eux. Ça peut pas être moi. Non. Je crois que j'ai pété ma tyrolienne. Ouais. Ouais, elle est cassée. C'est pas grave, je m'en sortirai. S'il faut aller le plus loin possible, j'irai le plus loin possible de toute cette merde. Suivons pas jusque là. On s'en sortira. Surtout que si c'est pas Edmond. Si c'est pas Hans. Alors ce problème, ça reste moi. Ces absences que j'ai là. Ça va mal finir. Tout va très mal finir.
Cassez où, saleté. Mourrez pas. Mourrez pas. Mourrez pas. J'ai pas survécu à mine d'or pour rien. Jamais. Juste me protéger pour la nuit. Juste me protéger.